Kill. Nice. Non. J'ai envie de mourir, j'ai fait un one tap. J'ai vu sur la vidéo de truc mule là, ce poète. Il a dit de prendre cette ligne. Merde. I'm gonna do the kill. Yeah. Fucking peak advantage, man. The fucking peak advantage. Elle est trop bien la map. Hein. Ouais, c'est cool. Tu m'as one top. À 300 mètres, mon gars. À 300 mètres. Ça c'est quoi cette idée de se splitter à deux? Ah! Non, t'es pas de bordel de queue! What? Deux? Mais deux, trois, quatre, tous! Maman, regarde, j'ai fait un kill, mon premier kill sur ma téléphone en faisant bip, pour une action, et ça me un conseil pour avoir ta beauté? Je sais pas, je peux demander à Marum si tu veux. Mais je suis pas sûr que... Je pense que c'est random. Parce que mon père est chum et ma mère est chum. Ouais, tu vois, comme quoi, de temps en temps, bah, coup de bol, quoi. Ah, désolé. On attaque l'objectif, bravo. Ouais, je suis désolé, mais je vous avais vu. Lui, il est mort dans 3, 2, 1... Moi demain, si je cheat sur R6, je me dis, mais ça se trouve, ça va relancer mon. Tu vois? J'hésite, hein. Voilà. Sachez que je suis en réflexion. Regarde, y'a des lémuriens là qui sont en train de monter, mon gars. Mais mec, oh, y'a des mecs, quand tu les vois là, est-ce que tu les vois, les mecs là? C'est pas des épingles à linge. Vous avez parlé d'un duo sur Twitter, sur 4, alors c'est quand? Avec The Godly Noob. Sur Tarkov, il s'appelle The Godly Noob. Je suis obligé de me respecter un petit peu, les amis, quand même. Je vous rappelle qu'il vit de l'autre côté du... Tu vois ce que je veux dire? Il est québécois, quoi. Québécois, on les aime bien, mais c'est eux, quoi. Non, mais non, mais putain, mais ce truc de merde, là. Ouais, un mort. Deux morts. Trois morts. Effectivement. What the fucking... Come on, no! What just happened? What the fuck would just happen one tap, man? Hell. Ah! Mon dieu, bordel de fils de putain de... La console. Non. Attention, ici c'est l'école de la vie version salée. Ce live contient donc toujours une dose de second degré et de sarcasme aussi grande que l'humilité de notre cher proviseur, lol. Hello tout le monde! Comment ça va sur le campus de la Salty Academy, les petits boulets? Ça va bien tout le monde? Avec le retour de la chaleur? Bon, pas sur le campus, hein, mais voilà quoi. Bonjour Tipeee, bonjour je fais quoi? Bonjour tout le monde, bonjour Vamax.
Rafifar, Mathias, et Manu, tu descends. Pourquoi faire? Je sais pas, descends. Pourquoi faire? J'ai la ref, j'ai la ref. Ah la vache, y'a pas des jeunes ici. Y a pas que des jeunes. Yo Toz, yo Mr. Wayne, Take Cassie, QC, Jack John, Nitrox, Yukai, Nito, bien sûr, comment ça va? Eh, mais Nito, il faut que tu dises à Elodie qu'elle commence à fumer de la weed, hein, je pense. Hein. Ouais, je parle de ta mère. Allez, rentrez. Hein? Nito, il faut qu'elle fasse quelque chose, ta maman. Elle est trop stressée de la vie. Hein. Aïe, 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 je te jure. Non, je l'ai encore eu au téléphone ce matin. Enfin, au téléphone, sur WhatsApp. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Vous allez passer un bon moment, je vous le dis tout de suite. What? Comment ça? Il y a des trucs que les parents savent que vous ne savez pas. Ça sert à rien de gratter de l'information, ils n'ont pas le droit de vous dire. Ok? Donc voilà. Mais non, mais je l'avais sur WhatsApp ce matin pour un truc. Merci Toz pour les 2 mois de frais de scolarité. En tout cas, merci aux héros d'être là. Et n'oubliez pas d'être là mardi prochain. Il y aura une belle grosse annonce hein, pour les héros d'Oregon. Ça va ou quoi 64? Ça va et vous? Merci Toz pour les 2 mois. Merci Ricky Boy, nouvel étudiant. Merci iTryHard Aimbot d'avoir offert la possibilité à Army X5 de devenir un étudiant au campus de la Salty Academy. Point d'exclamation de charme. Keezer, oui, 16 mois de frais de scolarité. Nito, merci pour les 3 mois poulet. Ahito, merci pour les 6 mois de frais de scolarité. La Salamandre, 23 mois de frais de scolarité. Vous êtes des monstres. Comment ça va tout le monde? Merci Ricky Boy d'avoir offert la possibilité à Mr. Cool Bay de devenir un étudiant au campus. Merci à Pigeon de l'Avarice pour tes 7 mois de frais de scolarité. Décidément, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du mois les amis. La générosité est au rendez-vous. Vous avez touché la paye, c'est ça? Vous avez économisé 3 kebabs pendant tout le mois et vous pouvez enfin payer votre streamer préféré, ça fait plaisir. Ah, j'en étais sûr. Ah, c'est la paye fort, grave. Bon allez, pas du tout ma paye, c'est le 14 du mois. Le 14 du mois? Comment ça le 14 du mois? C'est... Oh. Le 14 du mois? What? Alors du coup, je lance le jeu mais je vais me remettre sur mon compte. Du coup. You play. Hop là. Moi, c'est le 5. Moi, on est d'accord. En règle générale, c'est plutôt début du mois, quoi. C'est plutôt entre le 28 et le 5 que 90% des personnes sont payées, je pense. Eh les mecs, j'ai pas eu ma bourse. On peut me payer ma scolarité SVP? Non, non, ça se fait pas de demander ça, là, Nitrox, là. Ohé, oh. Arrête de faire de la mendicité de sub. Si, payé à la quinzaine. C'est beaucoup trop tôt. De quoi c'est beaucoup trop tôt? Le 15 du mois? C'était payé à la quinzaine. Mais c'est les Québécois, vous êtes payé à la quinzaine. Plus petit que 3. En France? Belge. Ah ouais, c'est marrant ça. Merci infiniment Ricky Boy pour les 300 bits. Merci mon poulet. Vraiment, ça me touche énormément. Bougez pas, attendez, je vais... qu'est-ce que je voulais faire? Putain la vache. Benjamin, ça c'est moi. Alright. Ok, merci Kizerwi d'avoir offert la possibilité à Nitrox qui était en train de mendier là, ses droits de scolarité. Il a eu ce qu'il voulait, du coup il peut avoir le charme de la Salty Academy maintenant. Merci à Tryhard Mbots pour les 200 bits. Que vas-tu faire de beau 6-4? On va partir sur du Rainbow 6, je pense, PS4 Nox. Putain, on dirait les vieux sons là. Ouais, vous êtes trop généreux, il vous arrive quoi là? Merci Shadowfui pour les 3 mois de frais de scolarité. Merci à TryhardAndMods pour les 100 bits en plus. Merci Ricky Boy pour le fait d'avoir offert la possibilité à Avarats88 ses droits de scolarité. Bienvenue au campus de la Salty Academy. Je lance le jeu. Je suis Gold 1 si t'as besoin. Non, mais t'es trop élevé pour moi, mec. T'es trop monstrueux. Merci Bluefish pour les 6 mois de frais de scolarité. Tout le monde a eu sa paye ou quoi? On est le combien? Ah mais on est déjà le 30, j'ai tellement la tête dans le guidon en ce moment. Hier il y avait une réunion jusqu'à minuit.
Oh là là, eh oh, qu'est-ce qui vous arrive là? Trop de générosité sur ce campus. Hier, il y avait réunion jusqu'à minuit et après, j'ai envoyé des messages jusqu'à 1h du matin aux parents là, aux parents des petits loups, des héros. Bon, on a prévu des trucs. Soyez là mardi, vraiment. Je pense que ça va être sympa. Hein, voilà. Merci infiniment. On n'est peut-être pas la K-Corp, mais on va faire des trucs de ouf. Merci infiniment à Tryhard Mbots d'avoir offert la possibilité à. Va te faire foutre, toi. Non, pas toi, Tryhard. Comment ça, encore 2 heures? Vas-y, putain. D'avoir offert la possibilité à 5 personnes de payer leur droit de scolarité au sein du campus de la Salty Academy. Merci pour The Phantomas, pour Gashmok, pour Jonath, pour Juanitit. Pour Traffic World, qui se font tous payer leur droit de scolarité et leurs frais d'inscription au campus de la Salty Academy, même pour Phantomas, le monstre. Merci. Vraiment, vous êtes des monstres, les amis. Ce teaser pour mardi prochain, grave. Vous allez voir, ça va être monstrueux. Ça va vraiment être cool. J'ai hâte d'être à mardi. J'ai hâte d'être à mardi. Ah, salut, tu me conseilles quel casque? Donc pour tout ce qui est mécanique, les amis, demandez plutôt au conseil sur Discord, je pense. C'est le meilleur des endroits pour demander. Les gens vous répondront parce qu'ils vous diront ce qu'ils ont, quoi. Mais autrement, HyperX Cloud 2. Bon rapport qualité-prix. Mais va demander la confirmation sur Discord, tu vois, même Foxy l'a mis. Pam, pam, padam, pam. Mais ouais, HyperX Cloud 2, c'est un peu un très bon rapport qualité-prix. Merci pour le train de la hype qui est presque terminé en plus. Niveau 4, vous êtes des monstres, les amis. Merci, I Tryhard Aimbots. Voilà, on va le prononcer comme il se doit. Bon alors, vous avez fait quoi ce matin? Hein? Vous avez fait quoi ce matin? Vous avez bossé? Visiblement, certains ont reçu leur paye. Hein? Ils vont tout claquer dans les soldes. Je dis que je viens d'apprendre que mon beau-père trompe ma mère. Alors déjà, je suis pas ton beau-père. Non, c'était nul comme blague. C'est sûr ça ou c'est un fake Légion? Je sais pas si je dois vous croire. Moi, j'ai toujours tendance à jamais croire, en fait. Je suis toujours dans l'indubitable doute. Je doute de tout. Test PCR. J'ai bossé MDR. Dormi comme j'arrivais pas à dormir cette nuit. Aïe! Merci, c'est la première fois que tu prononces comme il me faut, monsieur le proviseur. I tryhard aimbots. Non, mais après, on va encore me dire, il y a un bouffon sur YouTube. Bon, il a pris un ban, du coup. Mec, il m'a dit, j'en ai marre, quand tu parles anglais, tu arrête avec ton accent, tu fais pitié. Et il a pas compris qu'en fait, justement, j'ai pas d'accent. En fait, j'en ai forcément un. Mais je perds mon accent anglais. Je perds mon accent français. Premier degré, j'ai l'épreuve. Ah ouais? Ton beau-père? Bah, dis-le à ta mère, hein. C'est pas à toi d'assumer la responsabilité et la charge de te dire... La charge de te dire... Enfin, de supporter ça, quoi. Merde, je suis nul. Encore le matin chez moi et je n'aime pas parler anglais, toi tu dois être le seul qui parle comme ça et ça fait du bien à entendre. Mais oui, non mais l'autre il a pété un câble quoi. Putain, ça campe de partout là déjà là. Yes. C'est chiant de pas pouvoir parler en fait. Oh, ça bouge pas là hein. Reload là! On va faire comme eux hein! Vous bougez pas, on bouge pas du coup! C'est ça l'idée! Ça, ça bouge zéro les mecs hein! Il y en a un à droite là, il y a la Twitch, elle est là! Elle a pas bougé depuis tout à l'heure hein!
Oh, ça bouge pas, c'est horrible. Oh là là. Je déteste les games comme ça. T'en as pensé ton ressenti de mardi soir avec les héros d'Oregon? Très bien passé. Et soyez surtout là mardi prochain. Oh, je suis pas chaud en plus. Oh là 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 là, ça bouge pas. Et après, moi, si je bouge pas, je me fais insulter, forcément. J'ai jamais entendu une game aussi calme. Voilà pourquoi il faut pas de 1v5 dans ce jeu, quoi. On va faire comme eux. Moi, ça sert à rien. Je vais pas aller me donner. Après, je vais mourir en me disant, oh, tu fais pas de kill. Ouais, bah pareil, mec. Il y en a un qui est en train d'attendre dans l'escalade. En gros, il l'a avoué à ma sœur. Garder le secret pendant 1 an et demi. Ma sœur a décidé de le dire à ma mère. Et là, elle attend qu'ils lui disent la vérité. Ah oui, d'accord, ok. Donc bon. Y a pas grand chose à faire de ton côté au final. Tout est déjà fait, on est d'accord. Deathmatch. Le deathmatch de la mort. Attends 2 secondes. On va partir en game, hein, y a plus de kills. Oh là là, c'est infâme, regarde ça. Hallucinant. Hallucinant. ZZZ. Bah, t'as vu, c'est ouf, hein. Et là, tu le vois bien. Tu l'entends en 2 secondes, hein, les games. Ah merde, à droite. Merci évidemment, Camille, pour les 6 mois de frais de scolarité. T'es un monstre, poulet. N'importe quoi, je te jure. Et voilà. Lui, il fait pas un bruit. Attention, chute. Hop là, je marche. Tant qu'elle est brute pas, ça servira à rien de faire un team deathmatch. Ça sert à rien, c'est ridicule. Ouais, qu'ils en fassent un 1v9, toute petite map là, bam bam. Un vrai team deathmatch où on peut vraiment chauffer. Game de merde. Ah, je coupe le son. Ah, c'est horrible. Horrible. En gros, ouais, ma soeur, hein, ok. Après, faut définir tromper aussi, je veux pas citer Damso, mais bon. Ouais, cite pas Damso, ça sert à rien. Merci évidemment, Kazuno, nouvel étudiant du campus de la Soul City Academy. Merci, I Try Hard, Aimbot, pour les 500 bits. Merci, poulet, t'es un monstre. Merci pour ta grande générosité. Let's go. Bon, au moins, on n'a pas attendu 7 minutes pour lancer la game, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Soyez là mardi, les amis. Je le répète. Je le répète. Soyez bien là mardi. Ça va être unbelievable. Oui. Oui. Et après, je vous conseille d'être sur Twitter et Discord. Damso. Ça se dit Damso. I know. I know. Mmh.
Mais vous allez pas me reprendre, venant de personnes qui savent pas écrire ça, S-A, et ça, C-C-D-I-A, bon, un partout, j'ai envie de dire, quoi. Et il y a un truc en plus qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de faute d'orthographe sur un nom propre. Et bam, dans ta gueule. Allez, hop. Eh ouais. Ah. Bon, après, j'ai l'air con en le disant, mais bon. Perso, je lance des quicks pour l'échauffement. Pouah, je pense pas que ce soit plus rentable. Je ne pense pas que ce soit plus rentable. Non, non, mais il faudrait juste... à la limite, tu vois, Coastline. Coastline, elle est bien comme map, je trouve. Elle est beaucoup plus adaptée à du deathmatch, quoi. Pff, mais ça... ça, c'est limite du foutage de gueule, quoi, en fait. Tu vois. Hein. Autant jouer sur un 18 trous au golf... avec une manette de Wii, quoi, tu vois. Ou avec un pote. Avec un pote de mini-golf. Bah, amusez-vous, c'est du golf. Ah non. En fait. Le Golden Gun est vraiment sympa, je trouve, pour échauffer le shoot. Ouais, je suis pas fan, moi. Le problème, il est que si tu tombes avec des gens qui sont niveau average, ça va. Et si tu tombes, dès que ça commence à être pas trop trop mauvais, ça campe pas mal, quoi. Ça snipe, en fait. Tu snipes avec ton deagle, quoi. Pff, c'est un peu... c'est un peu pas vraiment intéressant. Après, tout dépend de ce qu'on cherche dans ce genre de game-là. Si tu te cherches à, entre guillemets, t'amuser, tu vois. Ça va, au final, c'est relativement cool, quoi. Ah ouais? Ah, je savais pas qu'on pouvait être là si rapidement. Planqué derrière le bureau, où il va pas bouger. Le mec est assis sur la chaise du bureau, quand même. T'as vu ça? Vous avez vu, hein? Vous avez vu ces fils d'up? C'est ouf, hein? Assis sur la chaise du bureau, ils ont pas bougé. Voilà comment ça joue. D'accord, 6-4. 6-4. Bah non, là t'as dit 6-4 du coup. Enculé, hein. Allez, attends, et on m'a toujours appelé 6-quarter et tout. Et on écrit Q avec majuscule, donc... Moi j'aimerais trop pouvoir faire des DM où je peux parler en même temps en plus, mais c'est impossible. Bah ouais, tu peux pas en fait. Ça campe de partout. Ça se joue au son. Enemy Overwatch has this area covered. Fall back. Pardon. Merci Kazuno, nouvel étudiant. Kazuno. You've been zeroed in by enemy Overwatch, fall back. Bon, j'arrête de faire le con parce qu'après je vais me rater. Oh là putain, il me fait peur lui ce con là. Les spawns sont pas trop dégueulasses en revanche. Je me souviens, j'étais là tout à l'heure. Je me casse! Ah, je suis pas chaud là, ça fait deux jours là, je suis en mode mou du genou là. J'en étais sûr. Ça marche, ça marche. Mais là, ça. Le truc de faire du bruit quand t'es accroupi, franchement, j'ai pas l'impression que ça ait augmenté grand chose. Quoi. Hein, la preuve. Voilà, il marche. Je sais pas s'il marche ou... You've been zeroed in by enemy Overwatch. Fall back. Oh, mais deux secondes, on est en train de... Ah ouais, carrément à travers. Ok, tout va bien. Je sais pas s'il marchait, en plus il marchait même pas. Non, il avançait normalement. Ouais, je sais pas, il y a un truc qui pourrait être fait au niveau du son, quoi. Faudrait du son comme Valorant. Oh, c'est bon, stop, c'est relou en fait. Je vais lancer une game normale, les amis. Là c'est que ça quoi. Il faut couper le son. Il faut couper le son. Il faut couper le son des bruits de pas. C'est simple. Et ils le feront jamais. Ubisoft ne le fera jamais malheureusement.
Et c'est pour ça que le deathmatch est pas ouf. Je change de compte. Parce que même Valorant l'a pas fait et c'était la même chose en avril 2020. Enfin pas en avril parce que le deathmatch n'était pas tout de suite disponible sur Valorant. Il est sorti en juillet de mémoire. Il était sorti en juillet, je change de compte. En juillet, c'était la même chose, les gens se plaignaient de la même chose, à savoir que ça campe dans les coins. Et on parle de Valorant, quoi, qui est quand même relativement plus dynamique que R6. C'est dingue, hein. C'est toujours pareil et les gens reproduisent les mêmes erreurs. Mais le truc, c'est que si on coupe les bruits de pas, les gens vont pas comprendre, quoi. Ils vont dire, oh, on n'entend rien, y a pas de son. C'est ouf, hein. Comment veux-tu échauffer ton aim si le truc c'est juste d'écouter les bruits de pas, quoi, au final? Anyway. Je vais sur un compte. Hop là. On va aller. Ah. Pas bien. Hop là. C'est bon, on est bon. Yo tout le monde. Chauffe tes oreilles. Exactement. C'est exactement ça, ouais. Deux secondes, faut que j'enlève ce truc là. Ah, voilà. Nickel. Phone number. Nope. Voilà. Et ça va se lancer. Ça arrive. Normalement. Allez, let's go. J'ai fait le même move que toi, 6-4, en passant d'un Corsair 7.1 à un Beyer Dynamics stéréo. Franchement, c'est tellement mieux. Plus jamais te retourner sur le 7.1, c'est une fraude. Moi, le 7.1, j'en étais très content sur mon Corsair. J'étais très déçu quand le Corsair a pété. J'avais vraiment l'impression que ça allait être très compliqué pour moi. Et ça l'a été pendant un temps, puis on s'habitue. Et pourtant, voilà quoi. En fait, le truc du 7.1, c'est juste de savoir... C'est pas le casque qui fait le 7.1, c'est le logiciel qui émule le 7.1 qui fait le 7.1 au final. Donc tu pourrais très bien avoir, même chez Corsair, tu pourrais très bien... Moi j'utilisais le truc qui s'appelait Corsair Vengeance et je l'avais pas update. Donc l'interface du truc était moche, moche, moche. Le truc, je devais l'avoir depuis... Oh c'est simple, je m'en souviens puisqu'il m'en avait renvoyé un. Ouais non, mais la scène, la cinématique, on s'était déjà tapé hier. Et du coup... Le Corsair Vengeance... Ah je sais plus, ça s'appelait Corsair Gaming, le logiciel qui l'accompagnait. Et c'était vraiment, vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Pour le coup, là, je pouvais placer des dingueries juste avec le son et ça marchait sans problème. Genre sans problème. Oh, il y a des packs là. Let's go. Let's go, quelle est la couleur? Quelle est la couleur? Eh, il y en a une dizaine en plus. C'est nickel. La couleur du pack. Oui. T'as vu la nouvelle map de Ron? Ouais, on ira dessus demain soir. J'ai vu qu'il y a plein de gens qui nous ont demandé. On ira dessus demain soir avec une grosse squad, normalement. Voilà. Si vous êtes, si vous êtes des gros joueurs de Ready or Not et que vous êtes là demain soir, on aura besoin de viewers. Alright. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas sur Discord. Pour avoir un bon micro, un bon truc, un bon machin. Les prédictions, elles sont en haut de votre écran, les amis. La prédiction est disponible. Et la map de Ron, ouais, on ira tester ça demain. Et puis il n'y a pas que la map, hein. Il y a 19 gigas de data. Donc, sur le patch, il y a eu 19 gigas. Donc... Il va y avoir pas mal de trucs assez monstrueux. On peut prédire plusieurs choses. Un seul, je crois. Yo, Tarké! Merci pour les 1 an. Ah, c'est toi le meilleur, poulet. 1 an de frais de scolarité. 6-4, j'espère que tu vas super bien. Continue super. Comme ça, tu es le meilleur. 6-4 LOVE, 6-4 LOVE. En ce moment, je vais plutôt super bien. Ah, mais en plus, c'était marqué super. Je me suis dit, t'avais mis et accent. Mec, il a mis un participe passé sur super. Et non, en fait, c'est juste qu'elle est nulle. Ta voix. Merci Tarkevator, vraiment, pour les 1 an. C'est bon? Let's go. 3, 2, 1, violet. Bleu.
Ah bah pour le coup ouais c'est bien bleu ouais. C'est bien bleu et puis c'est bien dégueulasse. Open next, let's go. Ah, vous allez vous faire là, il y en a ils vont devenir VIP à la fin là. Je le sens. Plus 10K$. Putain la vache. Plus 6000, plus 10K. Oh, il y en a qui ont dû perdre beaucoup. Ça c'est vert. Salut tout le monde. Pum pum. Attention, en haut de l'écran les amis. Merci ce visionnaire pour les 19 mois. Un monstre poulet. All-in jaune. Ah ouais, tu penses? Ouais non, ça c'est pas jaune, je te le dis moi. 3, 2, 1, c'est pas jaune. C'est vert, j'ai dit. Écoutez-moi un peu quand je vous dis un truc. Ah bah c'est bien vert. Suivant. Violet ça. J'ai pas pu prédire. Bah t'as le temps là, il y en a 10 à faire. Vas-y hein. Là c'est pack opening là. Impossible violet, sinon je m'abonne. Je jure c'est violet. Je jure que c'est violet. Jaune? Non, c'est pas jaune, c'est violet, les amis. Écoutez-moi, écoutez-moi. Je le sens, le pouvoir du violet, là. C'est pas un black ice, mais c'est violet. 3, 2, 1. Vierre, violet, vert. Vert, j'ai dit vert, V. Ah bah tiens, le même. Dégueulasse. Allez, vous avez tout perdu. Let's go, suivant. Violet et vert, c'est pareil, hein. C'est la même première lettre. Hein. Et ERT aussi, et ET. Voilà quoi. En ce moment, j'ai mal à l'œil et ça me pourrit un peu la vie. J'arrête, je jure que j'arrête, sinon je vais casser quelque chose. Bon, bah plus de sous. Mais qu'est-ce que vous pariez tout le temps? Vous avez aucun bankroll management, les amis. Apprenez le bankroll management. Ne pariez à chaque fois que 1/50 de votre capital. Enfin, voilà, c'est un truc de la life là que je vous apprends. 1/50 de votre capital. Comme ça, vous êtes jamais, jamais broke. Enfin, si, vous pouvez être broke puisque là, c'est un jeu d'argent. Ah, c'est du random. J'ai plus rien si je perds. Ah bah alors là. C'est bon là? Il est fini la prédiction? Je sens qu'il y en a qui vont perdre beaucoup. J'ai mis 10K sur violet. 10K sur violet? Et ça c'est bleu. Malheureusement je l'ai pas dit mais ça c'est bleu hein. 3... C'est bon, l'un des surveillants? Je fais pas confiance aux étudiants, là. Non, non, ouais, c'est bon, ouais. C'est trop chiant, parce qu'en fait, le résultat du truc précédent me cache le vote actuel. Et ça, c'est vraiment relou. Oui, c'est good. Ok, très bien, 3, 2, 1. C'est bleu. Vert, c'est bleu, vert. Vert, 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 vert. Beaucoup de vert, dites donc. Ah bah oui, et puis c'est vraiment, vraiment vert. À chaque fois qu'on y va dans la même couleur, hein.
Oui. Super le skin cannabis. Ok. Bon bah c'est vert ça. Hein. Ça va, t'as mal à l'œil, on m'a dépisté un kératocone. C'est quoi un kératocone? Mais qu'est-ce que c'est que c'est, cette merde là? Tu vas avoir du légendaire orange, pisse, ça va être cool. Je suis à 200k. Bah yes, j'ai plus rien. Je pars mendier. Mais vous êtes nuls, pourquoi vous pariez tout à chaque fois? Merde. Merci à Kui d'avoir offert la possibilité à Foxy. C'est 6 mois de frais de scolarité. Un monstre poulet. Ça c'est quoi? J'en ai aucune idée. Je pense que c'est vert ça. Ah la loi des séries. C'est ma cornée qui est pas droite, ce qui me bousille la vue. C'est ton aim qui est pas droit, non? Rien à voir. Hein. 3, 2, 1. Vert, je l'avais dit. J'avais dit vert. Eh ben, c'est dégueulasse. Ça fait plaisir. Oh, c'est légendaire, ça. Là, je serai vous. Je ferai all-in sur légendaire. Croyez-moi. Croyez-moi comme si je vous parlais du Bitcoin en 2010. Balle perdue. Bah il est là le problème. C'est qu'il en perd pas mal des balles quoi. Allez, all-in sur jaune. J'arrête, je suis à 100k. 9k4. Plus 80k. Si je perds, tu me rembourses. Si tu perds, tu perds et tu te touches la nouille, ouais. Ça, c'est légendaire, hein, les amis. Hein. Attention, je sens le légendaire arriver. Ah bah oui. Ça se sent, ce truc-là. Ça, c'est bleu, tu penses? Ah, la probabilité te donne raison. Mais moi, je sens que c'est légendaire. Après 4 verts, il y a toujours un légendaire. C'est un adage... C'est l'algorithme. 3, 2, 1. C'est vert. Attends, bah non, c'était le troisième vert. Ah bah c'est le prochain qui est légendaire. Ouais, j'avais oublié. C'est après 4... Après 4 verts. 4 verts, après 4 verts. Ça, c'est le quatrième. Donc là, c'est légendaire. Excusez-moi, j'ai mal compté. Le prochain, oui. Ah bah oui. Là, c'est légendaire, selon l'adage. Et si c'est pas, si c'est encore vert, de toute façon, bah... Nique ta mère, franchement, j'en ai marre. J'ai que du vert. Je joue plus. Ah bah bravo. J'ai récupéré 32k. C'est chiant que dans les Alpha Pack, on puisse pas gagner en légendaire des personnages. On peut ou pas? Hier, quand j'ai eu Flores, c'était parce que c'était comme ça ou... Du vert vénère, ça va être du bleu. J'ai all-in sur violet, mais 844 points restants. 844, oh le pauvre. Idem, plus de coups à jouer de toute façon, je te fais confiance 6-4 et voilà. Ah ouais, mais non, mais c'est pas que vous m'avez fait confiance, mais vous avez pas compté. Je vous ai dit, après 4 verts, légendaire. Et c'était que 3 verts en fait. Là c'est légendaire, c'est sûr. C'est certain. On le sent ou pas? Il arrive, il est là. Là, c'est jaune, là. Je peux y aller ou pas? Violet. Jamais c'est violet, ça. C'est légendaire, les amis. Oui. 3, 2, 1. C'est vert. Alors, attends. L'adage, c'était après... 5 verts ou 4 verts? Ah, je sais plus.
Quand il y a trop de verre, bientôt légendaire. Ah, je sais plus. L'adage, il y a un truc avec le verre. Mais je sais plus trop quoi. C'est trop. Ça doit être légendaire celui-là. Hein. Après, vert, ça me paraît pas con. À ce stade de la partie, il y en a un, il a fait que du vert depuis tout à l'heure, il est trop content. J'avais 500k. Après 5 verts, faut arrêter de miser. Après 5 verts, il est temps de rentrer. À pied. Attends, c'est fait là ? Ah non, bientôt. Oui, c'est moi le mec qui met vert avec 2000k et qui ramasse 44k. Lol, t'es sérieux ? 3, 2, 1, légendaire. Bleu ? Ah ouais, bleu, on s'y attendait pas quand même, hein. Ouais, celui-là, il était... Celui-là, il y en a un, il a mis 1, il a récupéré 144 000, là. Allez, j'ai 0. On peut miser 0 ? Oui, 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 tu peux faire un emprunt à la Salty Bank. Bien sûr, fais-toi plaisir, frérot. Non, mais il y a bien quelqu'un qui gagne quand même depuis tout à l'heure, là. Vous êtes tous en train de me dire, oh, on perd, on perd. Il y a bien quelqu'un qui gagne. Eh ben, dites donc, j'en ai de la chance. Ça, c'est violet Black Eyes, dites donc. Le mec qui a tout faux depuis le début. Ça, c'est violet Black Eyes. Ah oui. Oh, je vais appeler un... Je vais appeler un voyant. Je vais appeler un voyant. Pour vous. Attends avant d'envoyer la couleur du pack. Ah non, tu l'as envoyé, c'est bon. Je vais voir un peu. Voyance chat immédiate. Voyance. Cartomancien thérapeute. Oh, c'est pas mal ça. Énergéticien médium et magnétiseur. Oh la vache, putain la vache. Bah, c'est parfait en plus. J'ai des trucs qui collent plus sur le frigo. Avec un peu de chance, il va pouvoir faire quelque chose pour moi, Steven. Attendez, je vais regarder. Oh, il y a Marie. On va appeler Marie. Oh Marie! Allô, oui, bonjour. Oui, Madame Andrieux. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. J'aurais voulu avoir un petit renseignement, s'il vous plaît. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez aider sur... En fait, je joue à un jeu vidéo. Vous êtes là ? Oh, oui. Ah, et sur lequel, dans lequel il y a des packs à ouvrir. Je ne sais pas si vous voyez. Non, je ne connais pas ce genre de jeu, mais oui, oui. Oui. Oui, ok. Et qu'est-ce que vous voudriez savoir ? Et en fait, c'est basé sur la chance. Et j'aurais voulu savoir, en fait, la couleur du pack détermine le prix du pack, ça, si vous voulez. Non, je vais pas pouvoir le faire. Vous avez pas un petit... Parce que non, là, non, j'en ai... Non, je vais pas pouvoir le faire. Ah, merde. J'en ai un devant moi. Je suis désolée. Oui, mais je vous ai dit, je peux pas le faire. Mais est-ce que là, vous arrivez pas à voir si c'est un petit truc plus bleu ou violet ? Il n'y a pas une couleur qui vous vient comme ça ? Je ne peux pas le faire, non. Ah mince, c'est pourquoi vous ne pouvez pas ? Vous pouvez m'expliquer ? Non, parce que je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Vous ne voyez rien du tout ? Je ne fais pas ça, tout simplement. Je ne fais pas les jeux du hasard, je ne fais pas ça.
Ah mais c'est pas le... Il n'y a pas de, d'argent. Mais même, je fais pas les jeux, je fais pas tout ça. J'ai bien compris hein, votre question, mais je ne fais pas ça. Parce que c'est des alpha packs sur Rainbow Six Siege, peut-être que ça vous parle. Non monsieur, je vous dis que je ne fais pas ça, je suis désolée. Non mais comme j'essayais d'être plus précis, peut-être que vous auriez pu... Tout à fait, non, je ne fais pas ça. Ok, mais si je devais choisir, si vous deviez me dire une couleur que vous voyez... Je vous ai dit que je ne fais pas ça. Pas ça. Ne me posez pas des questions par rapport à ça, je ne fais pas ça. Vous faites quoi du coup hein? Je fais de la voyance, j'accompagne des gens à trouver leur équilibre. Ah, et est-ce que vous pourriez... Mais si vous allez sur mon site internet, moi je serais très... Ah bon, bah parfait, vous trouverez plein de renseignements sur ce que je fais. Ah, ok, et bah du coup le téléphone, parce que moi j'aimerais bien trouver l'équilibre entre vert et bleu. Bon bah je vais vous laisser. Ok, bonne journée. La merde, elle fait pas ça visiblement. Zut. Putain, je te jure. Honnête quand même. Non mais vous... Et y en a, ils croient à la voyance ici ou quoi? Ouais, je suis désolé. Elle fait pas ça. J'appelle une autre personne ou pas hein? J'aimerais juste savoir quelle est la couleur du pack. C'est quand même pas difficile, bordel de merde. Eh ben Marie... Ah bah ben là... Meilleur voyant que j'ai pu connaître. Il a une recommandation. Ah bah le mec est décédé, dis donc, depuis. Ouais, comme quoi... Il avait pas vu le camion. On peut pas tout voir. Allô? Bon. Oui. Ça va? Oui, bah oui, ça va. Je suis bien chez le voyant. Non. Pardon? Allô? Oui, vous m'entendez? Allô? Alors ça, c'est marrant. Le mec est voyant? Mais il est sourd. Comme quoi? Marabout africain, grand voyant guérisseur. Moi, je pense qu'il peut m'aider, lui. Dernier. Bonjour. Oh, ok. Combien va coûter la blague? Bah j'appellerai, c'est des numéros de portable. C'est pour ça qu'elle m'a envoyé sur son site internet. Eux, ils veulent prendre des rendez-vous. Hein. Et appeler sur des numéros de portable, ça coûte rien. Ils ont pas des numéros taxés. On appelle un autre. Dernier. C'est un téléphone rose. Allô? Oui, allô? Oui. Je suis bien chez le voyant? Oui. Ah, parfait. Excusez-moi, j'aurais besoin d'un renseignement. Est-ce que vous faites vous voyez le jeu FIFA? Comment? Vous voyez le jeu vidéo FIFA? Oui, le jeu de football. Oui. Et vous voyez un peu les jeux vidéo ou pas du tout? Non, je connais pas. Ok, parce que là en fait, il y a un jeu vidéo et dans lequel il y a des packs. Et avant d'ouvrir le pack, j'aimerais connaître ce qu'il y a dedans en fait. La couleur du pack. Je sais pas si...
Mauvais signe, ça va être du vert. Il est pas très voyant celui-là. Putain, la vache. Eh, les voyants sont pas très causants. Oh, tarologue professionnel et développement personnel. Ah, oh, j'ai envie. Hein. Mais j'aimerais juste... En plus, c'est une vraie question. J'aimerais savoir s'ils peuvent deviner la couleur du pack. C'est quoi le problème ? Bonjour, Christine. Oh, wow, wow, Christine. Christine, Christine. Bon, allez, j'essaye tout rad. Hein. Ça, il y a un sacré paquet de voyants, quand même. Hein. Oh, wow, 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 ok. Vas-y, ça sert à rien. Pff, ah, les voyants, c'est vraiment de la merde. C'est plus ce que c'était. Du coup, je pense que c'est vert. Voilà, moi, je vous le dis, je suis voyant. J'ai regardé dans les astres. Hein. En même temps, s'il dit nain, il perd sa crédibilité. Demande à maman 6-4. Il y a des voyants sur Twitch. Ouais. Bah là, il est vert. Parfois, il est rouge. Je sais pas trop. Attends, du coup. Ça, c'est violet. Ok. 3, 2, 1, c'est vert. Ah, fils de pute. Pas tout ça parce que c'est Tourad. C'est Tourad, il m'a acheté un sort. J'en suis sûr. Ah, le petit bâtard. Ah, je le sais. Ouf, ta mère. C'est votre sœur qui peut vous aider, non? Non. Black Ice ou pas? Vas-y, Black Ice ou pas? Vas-y, il faut qu'on appelle quelqu'un. C'est pas possible. Pourquoi ils répondent pas? Je comprends pas. Je pourrais très bien être un client, non? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens ils te répondent? Tarologue. Cartomancien. Médium, voyance, guidance. Plus de 3 ans d'activité. Ah, en revanche, elle a 3,6 sur 10 sur 5 sur Google. Ah putain, il me saoule, franchement. Me dites pas que des voyants sont occupés dans la vie, sérieux. Non, 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 et le support Ubisoft, j'aimerais trop faire la blague, mais vous êtes ouf ou quoi? Ça va me coûter trop cher. Va falloir attendre 2 heures. ça va pas la tête. C'est pas un live 24 heures hein, qu'on est en train de faire. Hein? Non, je rigole. Oh, et oh. Ok. Du coup, ça, c'est Black Ice ou pas? J'avoue, appel Ubi. C'est gratuit. Vas-y, mais faut que je sois gentil avec eux. Ça se trouve, il y en a, il va pas prendre la blague. Il va dire, on t'a vu appeler l'autre jour. Hein. Franchement, on a décidé, c'était vraiment de la merde. Du coup, on t'enlève ton charme. Ouais, et franchement, ils en seraient bien capables, hein, je vous le dis. Support Ubi. Hein. Support Ubisoft, la première recherche, c'est R6. Coïncidence, je ne pense pas. Support Ubisoft, téléphone. Oh, c'est pas un prank, hein, c'est juste pour avoir vraiment quoi. Ah! Là, j'en ai un visiblement. Oh là, putain, c'est Ubisoft Paris. Il faut mieux que j'évite, non? Ils ont un support. Le chat me met tellement dans la D. Hello there. Appelle Ubi. Moi, je dis que c'est un vieux charme. Incroyable. Si c'est un Black Ice, tu prends que main. Et le proviseur. OMG, vas-y, go support. All in. Non, vas-y. C'est pas forcément une bonne idée. Ouais, mais c'est drôle. Hein? Non,
Non, franchement, je le fais pas. Ils vont me casser les couilles. Il y a tellement des... Il y en a tellement qui prendraient n'importe quelle excuse pour me tirer dessus et après le tourner d'une solution. Ah oh bah franchement, ce qu'il a fait ce ne se fait pas. Oh, c'est mort, c'est mort. Non, 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 non. En plus, c'est Black Ice, ça, je vous le dis. 3, 2, 1. Black Ice. Eh bah, c'est de la merde. Et le marabout, il nous l'aurait dit, ça. Woody. Il est chouette quand même, non? Franchement, ça va. Non, vous en pensez quoi? Oh, j'ai exactement le même Red Dot T1. Lol. Non, ça rend plus. C'est du Holosun, ça. J'ai perdu 96. Non, magnifique. En vrai, propre. Ouais, ça va. Hein. Équipé à tous. J'ai jamais joué un shotgun de ma vie, donc vas-y, on peut y aller. Allez, c'est parti. Celui-là. Ah! Voyant médium Nantes. C'est, ça, c'est un coup du destin. Ok. Oui, allô? Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, allô. C'est la voyance? Oui. Ah, j'aurais voulu avoir un renseignement, s'il vous plaît. Je vous rappelle dans quelques minutes. Ah non, c'est pas possible. Est-ce que juste de la réponse que vous allez m'apporter maintenant dépendra du fait qu'on travaille ou pas ensemble, ok? Mais j'ai en train de rouler, je suis en voiture. D'accord, je vous dis juste, si je vous dis vert, bleu ou jaune, vous me dites quoi? Je suis en train de rouler. Eh mec, c'était quoi le bruit derrière? Il était pas en voiture, le mec, il était en calèche. Ah non, le seul truc qui roulait, c'est les R. Hein. Franchement. Allez, let's go. Quelle couleur? Encore un voyant chez SFR. Il m'appelle pour me dire qu'il me rappelle. Il est fort. Il était en tuk-tuk. Oh, les cons. Ok, vas-y. Prédiction terminée. Ça, c'est légendaire. 3, 2, 1. Légend vert. Ouais, c'est de la merde. Hein. Il y aura eu que de la merde aujourd'hui, quand même. Hein. Oh la vache! Bah c'est-à-dire que c'est le perso de base. C'est tellement un alpha pack tout pourri. Ah l'autre il nous a acheté un sort, eh. Marabout. Ah je me suis fait marabouter. C'est le personnage de base. Y'a rien. Y'a pas de skin. Ah y'a pas de skin. Ah j'ai eu Blitz. Ah c'est trop fort. Le truc est tellement dégueulasse qu'il n'y a pas de skin. On est d'accord, il n'y a rien là. Il y a une tache de café. Ah, oh, je vais l'équiper. Ok. Oh putain. Attendez, il restait un pack là en fait. Voilà, et ça c'est bravo pack. Les épaules, non. Non, il n'y avait rien là. T'es ouf ou quoi? Cette couleur, elle est même pas répertoriée dans les codes couleurs. Elle est tellement dégueulasse. Hein. Vas-y, go. Ça, c'est Black Ice. Ils veulent pas m'aider, hein. Et j'ai jamais vu. Et ils doivent se faire pranker toute la journée, les voyants. Pour te raccrocher à la gueule autant. Je me suis jamais fait autant raccrocher à la gueule de toute ma vie en si peu de temps. Jamais. Jamais. Dès qu'ils voient qu'ils peuvent pas arnaquer, conseiller quelqu'un, à mon avis, c'est mort. Moi, je te marabouterai le truc, là. Franchement, tranquille. Ouais, je vois. Je vois un bon avenir. Ouais, oui, bien sûr. Ouais, c'est 500 balles. Alors, vous l'aviez déjà vu, le truc avec... C'était vraiment le meilleur du meilleur du meilleur. Le sketch sur les voyants. C'est quoi, cette musique de jazz, là? Le sketch sur les voyants de...
De Jules-Édouard Moustique. Vous l'aviez jamais vu celui-là? J'ai jamais vu un sketch aussi rapide et aussi drôle de toute ma vie, je pense. Ah, la chute était tellement bien. Oh, nom de Dieu. Vous l'avez jamais vu ou pas? Si. Oh, je vais le mettre en 2 secondes. Il est hyper connu, tout le monde l'a vu, je suis sûr. Alors, Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas? Exactement, je prévois l'avenir. Et celle-là? Hein? Tu l'as prévue, celle-là? Oui, Jules-Édouard, pas besoin de long débat pour démystifier les charlatans. Alors, Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas? Exactement, je prévois l'avenir. Et celle-là? Hein? Tu l'as prévue, celle-là? Oui, Jules-Édouard, pas besoin de long débat pour démystifier les charlatans. Oh putain, le sketch qui dure 10 secondes, c'est le meilleur des sketchs au monde. Oh putain. Oh putain. Oh putain, celle-là est tellement exceptionnelle. Oh là 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 là. MDR, je connaissais pas. Vous le connaissiez pas celui-là? Et celle-là. Tu l'as déjà vu celle-là ou pas? Ah, tu l'as vu venir celle-là? Oh, elle est tellement bien. Oh mon dieu. Ah, et en plus, il l'a bien chargé la claque. Oh ouais, à l'époque, ça déconnait zéro, il y avait pas de fake. Hein. Ok. Ça, c'est légendaire, ok? Il faut terminer sur un légendaire. 3, 2, 1. Légend vert. Non, mais nique ta mère, hein, franchement. Et on a eu que ça. Non, mais 100% de vert, faut pas déconner. C'est archi connu, c'est énorme. Puis c'est Groland aussi. 100% vert. Il y en a, il a fait que vert aujourd'hui. Il s'est fait un délire. Il a fait aujourd'hui, je vais voter que vert. Vert dans un bravo. 3, 2, 1. Mais il se fout... Oh, eh. Je crois que je me suis fait marabouter. Ah, oh, je me suis fait marabouter la gueule. Hein. J'ai transformé 6K en 72K. Ah ouais? Putain, on dirait le début d'une vieille pub sur YouTube. Grâce à mes 6K, je les ai transformés en 72K grâce à la petite crypto-monnaie, au NFT. Et franchement. Oh mon dieu. Ok. Là, c'est légendaire. Ah, je vous avais dit qu'on terminerait par un légendaire. Bah voilà, dégueulasse en plus. Non, ça va, il est pas mal. Un renard. Harvest Blessing. J'aime bien la petite musique. Équipède. Le seul que je vais équiper de la journée. Bon bah voilà quoi. Attendez, j'ai encore des points autrement. Il faudrait peut-être que j'achète des opérateurs sur ce compte un jour. Booster. Non, on s'en fout ça. 25 000. Bam. J'en prends 5. Et là, c'est que du violet. Et je vous le prouve. C'est parti. Chelou son masque Covid. Grave. Bah ils sont tous leg, les packs chinois comme ça. Ils sont tous deg. Les packs chinois, de quoi tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, terrifique gorille? Tu confonds la Chine et le Japon, c'est quand même compliqué quand même. Tu serais américain. Je dirais pas, tu vois. Hein, mais sachant que t'es français, je me dis quand même... Deg. Les alertes marchent pas? Bah si. T'as fait quoi? T'as rien fait du tout, Blunk. Alerte de quoi? Fais F5. Reviens. Et en bas à droite, il y a marqué un truc partagé. T'appuies sur partager, tu vas voir. Je pense que c'est ça que tu veux. Ouais, c'est nul. Mais c'est Twitch. Je me suis resub, j'en étais sûr. Écoute bien ce que je viens de te dire. Bon, pars, reviens et regarde le chat en bas à droite. Et fais partager. De rien. Merci infiniment, Blunk, d'avoir payé tes 4 points de frais de scolarité payés au sein du campus de la Salty Academy. Le monstre. Merci beaucoup, poulet. Ok, quelle couleur? C'est fait, ça, ou pas? Vous avez voté? 1% de chance légendaire. Quoi? Ça, c'est légendaire. Ça, c'est vert. Il n'y a que du violet du légendaire dans cela. 3, 2, 1, violet. Vert. Violet, vert.
Bon, franchement, non, bon, c'est bon, j'arrête. Win Bastion, mec, le truc de 1944, quoi. Non, mais c'est bon, c'est fini. Et ils m'ont jeté un sort, c'est sûr. Avec des poupées vaudou et tout. Ils ont des petits alpha packs avec des poupées vaudou dedans. Clac, clac, clac. Ça existe plus les packs communs ou quoi? Non, visiblement non. Bah, à chaque fois on pensait que vert et gris machin un truc bidule, mais visiblement les blancs et les gris sont devenus les verts en fait, j'ai l'impression. Donc maintenant, parce que le plus logique en fait, t'as vert, t'as bleu, t'as violet et t'as légendaire et puis c'est tout. Ça a vite changé les gains. Ah ouais? J'ai pas vu. C'est de l'escroquerie à ce niveau-là. Il y a déjà des gens, il y a des gens qui appelleraient, qui croient à ce genre de choses. Genre la voyance et tout. Moi, je suis trop... Un peu, oui. C'est comment ça, un peu? Voyance de quoi? Un peu, comment ça? Il m'est arrivé quelques trucs assez bizarres avec un voyant. T'es allé voir un voyant? Genre vrai de vrai? Tu l'as vu venir ce Black Eyes? Absolument pas. Il t'a fait des trucs le voyant? J'ai pas eu le temps de voter hein. Il t'est arrivé des trucs un peu bizarres avec le voyant, c'est ça? Il s'est passé quoi? Et hop, ça c'est ma bite. Tadam! Eh oui. Ouais, il s'est fait barabouter, barabiter. Hop, la glissade. Akoui, raconte! Eh, hey, tu peux pas nous laisser comme ça sur la fin, là? Je crois juste à Bigfoot. Non, mais Bigfoot de boîte. Il existe Bigfoot, hein. Il faisait de la NBA, il s'appelait Shaquille O'Neal. Il faisait du 56, voilà. Moi, il m'est arrivé des trucs un peu bizarres avec un prêtre hein, quand j'avais 7 ans. Oh non, Colonel Cookies, non. Non, non, non. Non, 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 non. Oh, non. Non, colonel. Non, non. Tu veux pas regarder X-Files et croire à rien, IE6-4. Hein. Tu veux pas regarder X-Files et croire à rien. Attends. Eh, X-Files, il y a deux trucs. Hein. X-Files, il y a les extraterrestres. Et il y a les esprits, machin, truc bidule, ok? Le paranormal, j'y crois pas. Une vie... moi, je réfléchis probabilité. Et d'ailleurs, je vous conseille le très très bon film sur la vie de Stephen Hawking, qui est vraiment très très bon. Vraiment. Je l'ai regardé avant-hier, je ne l'avais pas vu, alors qu'il est assez vieux, il date de 2014. Bien sûr qu'on n'est pas tout seul, tu vois. Bien sûr qu'on n'est pas tout seul. La probabilité qu'on serait tout seul, la probabilité qu'il y ait quelqu'un d'autre... Vu la taille, vu l'immensité du truc. Ça, j'y crois carrément. Il a réussi à me parler de trucs assez précis sur mon grand-père, alors qu'on s'en est pas des trucs... Et des autres trucs aussi. Ouais. Ouais, il faudrait que je sois là pour te dire le truc. Parce que tu peux aussi un peu mind game les gens, tu vois, en leur disant... Et il y a quelqu'un qui vous manque aujourd'hui? Ouais, c'est qui? C'est un membre de votre famille, c'est ça? Mmh, une personne. Oh, je sais pas. Tu peux un peu orienter les gens, voir un peu la réaction. Oh, moi, je suis trop sceptique. Je crois en rien, quoi. Je crois en rien. Donc, clairement, je pourrais pas croire à ça, quoi. Mmh, mmh. Jusqu'à ce que le mec me dise, bah voilà, quoi. Les chiffres du loto, et puis là, on commence à parler, quoi. Ouais, mais ça, il peut pas. Ouais, bah ouais, d'accord, ok. Franchement, si les voyants étaient vraiment voyants, ils seraient pas voyants, hein? Si les voyants étaient vraiment voyants, ils seraient tranquilles, millionnaires, aux Caraïbes. Donc par définition, il y a un problème, je pense.
Mais tu crois à E.T. MDR? Non. Incroyable ce film, l'un de mes films préférés. Sur la vie de Stephen Hawking, c'est très très bon. Hein. Pour le paranormal, tant que j'ai pas vu mes propres yeux en réel, j'y crois pas. Ouais, moi aussi, comme Saint Thomas. 3, 2, 1, 0. Non mais bon, laissez tomber, parier vert. Hein. Parier vert aujourd'hui, c'est le seul truc qui passe. Moi aussi, mais bon, quand mec te regarde, te dit des trucs que personne ne sait, si ça, tu te poses des questions quand même. Bah pff, oui, je pense que ça s'appelle de la chance. Hein. Ah oui. Je pense que ça s'appelle de la chance. Hein. Okay. Je regardais le film sur le créateur de McDonald's aussi. Ouais, c'est très bon ça, il est vieux aussi. The Founder, très très bon. Je prédis skin bleu sur chapeau. Deux chances sur deux, shoot très précis, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas assisté à la scène. Donc je peux pas dire, tu vois. McDo très très bon. Skin MP5. Ça, skin MP5 ? Le film qui te donne encore moins envie d'aller au McDo. Ouais, bon, j'avoue. Ok, c'est fini là. À 3, 2, 1, violet. Voilà, là je l'avais dit. Hein. Donc tu penses que Dieu n'existe pas? Disons que je me catégorise plutôt dans la catégorie des personnes athéistes. Ouais. Athées, pardon. Athéistes. Athées. Oui, oui, je suis pas un grand croyant, moi. Ça, c'est clair. Voilà. La religion, quel vaste débat. Je suis pas sûr que... Je suis pas dans la case des personnes du côté religion. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Après, voilà quoi. On est tous différents. On a tous nos façons de penser. Je respecte, hein. Mais bon. Vaut mieux pas aborder le sujet avec moi, quoi. Je suis pas... Je suis chacun chez soi et tout le monde et les hippopotames seront bien gardés. Voilà. Perso, j'ai déjà du mal à croire en moi. Elle est pas mal celle-là. Le vrai problème de 2022. C'est... Tout dépend de l'environnement dans lequel t'as grandi par rapport à la religion. Bien sûr. Bien sûr. Mais comme disait Ricky Gervais, tout le monde est athée. 100% des personnes de cette planète sont athées au final. 100%. Et les personnes vont dire, bah non, moi je suis vachement dans la religion. Je crois vachement à l'islam, je crois vachement au truc, etc., etc. Oui, mais tu sais aussi reconnaître le fait qu'il y ait plus de 1000 autres religions sur la planète. Très bien. Le fait que tu sois pour l'islam, le fait que tu sois pour ta religion, etc. Enfin, le fait que tu sois chrétien, le fait que tu aies ta religion. En règle générale, on n'en a pas plusieurs, on en a une seule. Le fait que tu aies cette religion, de facto, te rend athée des 1000 autres ou des 999 autres. La différence entre un athée et une personne qui croit, elle se joue sur 0,01%. Les personnes se disent croyant et pas croyant. Mais ça n'a rien à voir en fait. Ils ne croient pas aux 99 autres pourcents des religions qui sont sur la planète, par définition. Ils pensent que tout le monde a tort et qu'eux ont raison. Ils sont athées des autres. Ils sont que croyants envers leur religion, qui ne représentent qu'une faible minorité, aussi grande soit-elle, des personnes de la planète. Parce qu'il y en a beaucoup d'autres religions. C'est tout. Et c'était Ricky Gervais qui était intervenu dans un late show là-dessus, aux États-Unis. Donc le genre de truc où la religion, faut faire gaffe. Et il lui avait dit, on est pareil tous les deux. Voilà quoi. Et vous croyez pas à cette religion-là? Ouais, bah non, non. Et celle-là? Non. Et celle-là? Non. Vous croyez pas à celle-là? Non. Vous croyez pas non plus à celle-là? Non. Quand vous dites Dieu, machin, c'est votre Dieu, celui-là. C'est ni celui-là, ni celui-là, ni celui-là. Bon, bah voilà. Vous êtes athée de toutes les religions, au final. Sauf de celle-ci. Comme moi. Sauf que moi, je fais c'est la même chose que vous, plus une, la vôtre. C'est simple. Voilà. En même temps, plus on vit, plus on se rend compte que tout est pareil au final. Ce qu'il faut, c'est le respect des opinions des autres. Ouais, ouais, je suis d'accord. Bien sûr. Anyway,
On est prêt? On peut ouvrir? 3, 2, 1, 0. Des taches d'huile, ça? Oil spill, ouais. Ah, elle est pas mal. Bon, sur un pistolet, ça fait chier, mais bon. Équipé. En même temps, hein, plus on vieillit, si Dieu existe vraiment, il a créé des voyants vraiment pas voyants. Ah, il me rappelle. Oui, allô. Oui, allô, bonjour. Vous vous êtes arrêté? Oui. Ah oui, je voulais savoir... Oui, je voulais juste savoir si vous faites en fait des... En fait, je joue à un jeu vidéo dans lequel il y a des packs, et dans ces packs, quand on les ouvre, il y a différents matériels avec différentes couleurs dedans. Et je voulais savoir si, avant d'ouvrir le 10 pack, vous pouvez me dire la couleur de la chose, en fait. C'est tout simplement ça. Avant ? Avant d'ouvrir le pack, si vous pouviez me dire la couleur. C'est soit vert, soit violet. Enfin, soit vert, soit bleu, soit violet, soit jaune, légendaire. Oui. Ah, c'est ça que je voulais savoir. Oui, avant de l'ouvrir, il faut que je sache ce qu'il y a dedans. Ouais, mais vous me donnez mon... Vous payez mon consultation d'abord, je peux pas dire comme ça. Oui, ok. Oui, oui. Oui, et du coup, mais ce qu'on peut faire, parce que là j'en ai un, je suis justement sur le jeu en ce moment. Est-ce que vous pouvez voir... On peut essayer de faire un test. Si vous réussissez, disons, deux d'affilée, je pourrais plus vous faire confiance pour prendre une consultation. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, mais avant tout, ce que j'ai en train de faire, c'est une consultation. Monsieur. Oui, mais je sais. Oui, mais il y a beaucoup d'autres voyants, vous savez. Oui. Et oui. Comment est-ce que je peux savoir que vous, vous êtes un bon voyant qui voit? Ah, donc, j'ai du travail avec moi. Peut-être vous allez savoir. Oui. Moi, je suis marabout guérisseur, voyant. Ok, donc vous pouvez voir entre vert, bleu. Ah oui. Violet et orange. Dans un pack virtuel, vous pouvez voir la couleur, vous? Ah oui. Ah, c'est génial. Et là, du coup, on est sur quelle couleur? Monsieur. Monsieur. Oui, oui, je suis là, oui. Voilà. En fait, vous voulez que je... vous ne pouvez pas... c'est moi, vous ne pouvez pas m'appeler et me dire les choses. Sans mon consultation. Donc, moi, j'ai en train de faire la consultation. Donc, si vous voulez que je fasse, je travaille avec vous, vous payez la consultation. Moi, j'entends bien ce que vous me dites. Mais moi, étant donné qu'il va y en avoir beaucoup des packs à ouvrir, est-ce qu'on pourrait pas déjà faire un test pour savoir si j'ai affaire en face de moi à un vrai marabout vous voyez ce que je veux dire, qui sait ce dont il parle, quoi. Moi, il faut que j'ai une vérification. Parce qu'il va y en avoir d'autres. Moi, je suis prêt après à y aller, hein. Je vais pas, il n'y a pas qu'un pack hein, dans mon jeu. Hein. Il y en a plein. Mais là, je sais. Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire quoi? Bah, je vous ai expliqué. Bah, vous entendez? Oui. C'est quoi votre nom? 6-4, c'est mon pseudo hein, sur Internet. Comme un 6 et un 4. Parce que bah, je préfère pas donner mon nom si ça vous dérange pas. Monsieur, le fait que moi je peux pas travailler avec vous parce que le fait que donc vous insistez, c'est pas ça ne passera pas comme ça. Ah, parce que pour travailler avec vous, il faut pas insister. Non, mais tu peux insister, bien sûr. Mais on peut pas travailler avec quelqu'un sans confiance, monsieur. Désolé. Ah bah oui, mais vous avez. Décidément, ils ont quand même une sacrée manie de raccrochage jauné. Hein. Quelqu'un sans confiance. Hein? Oui. Tout ça pour pas dire quelqu'un de crédule. God damn it. Fucking hell. Essaye Uber Eats. ouais.
une consultation. En gros, tu dois y croire avant que qu'il te baisse ton argent. Bah ouais, c'était stratosphérique. C'est lui qui doit avoir confiance en toi pour qu'il puisse bosser, MDR. Ah, oh, c'est ouf, c'est ouf. Essaye Akinator. Bon, moi je pense. Non, franchement, les gars, je respecte les croyances et tout, mais SVP, gardez votre argent plutôt que de les donner à ces charlatans. Voilà, entre guillemets, entre la croyance et un croyant. Et un voyant, pardon, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. C'est encore un autre débat, quoi. Mais alors, eux, oui, tombent définitivement. L'autre, à la limite, bon, il y a 3 siècles derrière qui vont contre moi, donc je pourrais pas parler de charlatanisme, ça va être un peu plus compliqué, tu vois. Même si je suis pas un grand fan, hein. En attendant, ça, ouais, ça, c'est du scam, ça. Là, ils me vendraient de la truc CPF, ce serait exactement la même chose, les mecs. Hein. Vous faites pas avoir, ça. Vous faites pas avoir. Vous faites pas avoir. Prenez plutôt des subs. Prenez des subs gift. Non, mais quitte à... Moi, je vous lis votre truc. Hein. Et je vous lis votre avenir. Hein? Ton brevet, t'as combien de moyenne? Eh ben, tu l'auras pas. Voilà. McDo? Bah ouais, écoute. Tu vas pas bosser avec... Tu vas pas devenir le prochain Elon Musk, mon gars. T'arrives pas à faire la différence entre cela et ça. Ah, il est con. Hein. La pilule bleue ou rouge? Cherche-toi sur Akinator. J'y suis depuis 10 ans sur Akinator. Cherche-toi sur Akinator, un vrai voyant. Mais je suis dessus. Bonjour, monsieur le proviseur, du coup. Salut de Nain. Vas-y. Moi, je vois... c'est du vert. Violet. Bah ouais, bah c'est du violet aussi. Allez, Black Eyes ou pas? Et il y en a pas un seul qui voudrait répondre, quoi. Pas un seul, quoi. Ils veulent vraiment... Des gens au plus profond, au plus bas de leur vie. Oh, franchement, moi, ça me vénère. Je vais ouvrir un truc maintenant en live pour niquer les charlatans. Je vais faire ça toute la journée. On va appeler. Ah, je te jure. Et on va passer des bons gros moments. Non, moi, je ferai ça toute ma journée. Hein. Oh, je serai trop content. Ah, et si en plus ça peut avoir un rôle éducatif, parce que derrière un prank, il n'y a pas juste la volonté de se moquer, il peut y avoir une vraie volonté de faire passer un message, moi je trouverais ça génial. Freddy Black, salty voyance, MDR. Non, Smoke il a gagné combien? OMG, Smoke qui a transformé 20k en 300k. Qui? Non mais l'autre il a... Yes! T'avais mis violet, Smoke? Je suis en retard, DSL. Inadmissible, Mopiz. C'est eux qu'il faut éduquer, c'est du vol ce qu'ils font. Oui, mais bon, s'ils le font, c'est parce qu'il y a des gens qui sont pas renseignés sur le fait que ce qui... Si ça ne marchait pas, ils ne le feraient pas. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je suis pas en train de parler de responsabilité, hein. Je suis pas en train de rejeter la faute sur les victimes. Mais il y a quand même... Rien n'est binaire, tu vois. Il y a une nécessité de dire attention, tu vois. Aussi con que ça puisse paraître, tu vois, il y a eu un moment de ta vie où on t'a expliqué que la drogue c'était mal, tu vois, ou que certaines drogues c'était mal en tout cas. Ok, bah il faut expliquer aux gens, et en particulier aux plus jeunes, qu'il y a des trucs qui sont bien et des trucs qui sont pas bien, quoi. Ou en tout cas de faire attention, quoi. Après, bon, les adultes, ils font ce qu'ils veulent, hein. J'ai passé le brevet, c'est pour ça. Ah, bravo Mopiz. Félicitations. Comme t'as dit, il y a des discours qui marchent pour tout le monde. Grave. Tu l'as réussi au moins? Ok. Ah, j'ai peut-être un texto. Ah non, merde. C'est les designers. Pareil, c'est les charlatans. Ok. Du coup, 3, 2, 1, Black Ice. Ah bah c'est Black, mais... Ah bah j'ai pas dit Ice, hein. Regardez le truc. J'ai dit, ce sera Black. Ice. Il manque la glace. Ouais. Open next. Eh ben, c'est dégueulasse. Allez, ça, c'est légendaire pour terminer. Attends, non, je peux en prendre 2 derrière. À ce que je vois, le brevet de français, t'as dû avoir du mal. MDR, je rigole. Oh, en vrai, ça va.
Ah ouais, j'avoue, là tu déconnes, Mopiz. Qui est-ce qui pourrait nous renseigner autrement sur des Alpha Pack? Et j'ai trop peur que le mec avec son téléphone portable, en revanche, il n'était pas en France, quoi. C'est possible, hein. Je vais me taper des grosses... parce que c'est vrai que c'est un portable, mais si le mec... je me retrouve à appeler... genre loin. Ça fait chier. Merci Flazerbanks pour les 13 mois de frais de scolarité. Merci Axe Red pour les 8 mois de frais de scolarité. Un monstre. Ça me rappelle quand j'avais laissé en Éthiopie mon téléphone allumé. En Éthiopie. J'ai laissé mon téléphone allumé. Quand j'ai atterri. L'avion atterrit. Ok ? L'avion atterrit. J'enlève le mode avion. Ok ? On va... taxi, ok. Taxi, c'est le truc pour... c'est quand un avion est au sol, quoi. Taxi jusqu'à l'endroit, jusqu'au truc d'embarquement, là. Enfin, le débarcadère, là. Donc, ça a duré 5 minutes. J'en ai eu pour 600 euros. Oh, le prix du vol aller-retour. 5 minutes. 5 minutes. J'ai juste eu le temps. Je me suis levé. Il y avait du monde. C'était Ethiopian Airlines. 600 euros. Mmh. Ah ouais. Et puis là, je l'ai eu dans le cul derrière. Oh bah ouais. C'était genre... Oh, je sais plus. Bah, je peux pas parce que c'était sur mon LG que j'avais avant. Mais genre, j'ai reçu le texto et c'était genre... Je veux pas dire de conneries, mais vous pouvez regarder. De toute façon, à l'époque, je devais être chez Free. Et c'était l'Ethiopie n'était pas dans les pays, partenaires, quoi. Et c'était genre 1 MO égale 1 euro, quoi. Enfin, une connerie absolue, quoi. Vous vous rendez pas compte. Moi, quand j'allume le téléphone le matin, ça fait bling, 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 bling. Dans tous les sens, les notifs, les machins, Instagram, le truc qui va... Oh 600 euros. 584 euros. J'étais dégoûté. Dégoûté. Ah voilà. Pour le coup, c'était pas vraiment free. Et 5 minutes, hein, vraiment. Il y a eu un truc qui a dû se télécharger. Bref. Et en plus, le pire, c'est que j'avais quand même économisé pour voler, tu vois. On est quand même en train de parler du fait que j'avais pris Ethiopian Airlines pour passer par Addis Abeba. Pour aller à l'époque en Afrique du Sud. 2 semaines après le crash de l'avion, quoi. Donc c'était pas cher. J'étais tout seul dans l'avion. C'est vrai, hein, c'était juste 2 semaines après. Eh ben, alors que j'aurais pu me prendre un Air France, tout frais payé, tout direct, nickel, 10 heures de vol, au revoir, quoi. Alors pour info, pour les trucs FR, c'est illégal car ce qu'ils ont fait, car ils sont obligés de bloquer ta ligne à partir d'un montant et que tu dois valider leur message. Oui, sauf que j'utilisais un truc double SIM et que c'était, il y avait mon truc pro et mon truc perso. Et il n'y avait pas le blocage qui avait été débloqué parce que le truc pro qui était un LG G6 qui appartenait à l'époque à Gameloft, ça avait été débloqué par la personne qui était avant parce que c'est des trucs... on ne me l'a pas donné le téléphone, il a servi avant, quoi. En règle générale, on donnait aux personnes qui avaient des fonctions marketing, commerciales, etc. les téléphones qui avaient un an sur lesquels les développeurs n'étaient plus dessus, en fait, tout simplement, quoi. Au bout d'un an, ils passent sur les derniers téléphones tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. T'as jamais vu autant de téléphones de ta vie que dans une boîte de jeux vidéo téléphone, quoi. Il y en a partout, partout, partout. Voilà. Ça a coûté plus cher que le trajet. Ouais, 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 le trajet, il est pour 400 et quelques... Ouais, 500 balles. Du coup, j'ouvre. 3, 2, 1, 0. C'est vert ! Ah non, sérieux. Et quand j'avais vu après le truc, après j'avais appelé Free, je m'étais vénère. Je leur avais dit, attendez, vous foutez de la gueule de qui, quoi? Et c'était inadmissible. C'était un truc genre, je sais plus, hein, mais peut-être 1 MO égale 1 euro, quoi. Vous vous rendez compte? 600 MO, c'est rien, 600 MO. Enfin, je dis ça, je sais plus, ça se trouve, c'est 1 euro, enfin, c'était 10 MO, 1 euro. Enfin, je sais que c'était scandaleux et j'avais mis un peu de temps avant d'aller le voir et tu vas sur... va sur Twitter, papapapapap, ça charge le fil, ça charge des photos, ça va vite. Hein. Attaque-défense en prédiction, pourquoi c'est le dernier ça?
Tellement hâte de run demain. Bah, tout dépend de s'il y a du monde demain. Moi, j'aimerais bien qu'on soit 6 demain sur Ready or Not. Deux squads de 3, il va nous falloir ça. Hein. Est-ce que quelqu'un connaît la différence entre DPI et PPP? C'est la même chose. C'est l'un est en anglais, l'autre est en français. Le DPI, c'est le dot per inch, donc point par pouce. Et l'autre, c'est PPP, point par pouce. Même chose. Exactement la même chose. Je fais quoi? Attaque-défense? Tu l'as mis ou quoi? Vas-y. Hein. I don't know si c'est le last. Pourquoi tu voulais me... J'ai pas vu si c'était là. Mais non, il en reste deux. Non, ça ira, t'inquiète. Eh ben, franchement, que de la merde. Hein. Voilà. Non, ça. Go to battle pass. Non. Get packs. J'en prends deux. Et là-dessus... Là-dessus, sur les deux, les amis, vous êtes obligés de faire des all-in. Bah les couilles. C'est parti. Que du all-in. Soit vous participez pas, soit vous faites all-in. Je m'en fous. Non. Si. Je veux voir que du all-in. Allez, let's go. All-in sur vert. All-in de 12, grosse prise de risque. On va voir les gens qui ont des balls un peu. Hein. Mmh. 131k. Ouais, vas-y, mais vous avez pas le courage. Vous avez pas le courage. Vous pouvez pas le faire. Vous avez pas les balls. Un bleu et un mauve. Ça, c'est bleu, ça, c'est sûr. 200k du coup. Vas-y. On va voir si vous avez les balls. Vous avez que des petites balls là. Vous avez que des petites balls. 19 500, il a mis. C'est pas mal, c'est pas mal. 35k sur vert. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok. On a une cagnotte à... Oh, vert à 213k sur le vert. Oh oui, c'est pas mal. La cote est à 1.25, ce qui est pas ouf. Oh là là, là, ça monte là, ça monte. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Vert, bleu, bleu, vous m'avez cru, du coup. Jaune, personne n'a mis. Il y en a, il a mis 24k sur le jaune, il est solo. Il va être trop content. 17k sur violet, la cote est pas trop mal. Bleu et vert, cote dégueulasse. Mais bon, probabilité, voilà quoi. 50 000 en bleu. 66k en bleu. Vous êtes prêts? Moi qui ai passé de 600k à 0 tout à l'heure. Sur les all-in, donc pas de prédiction pour le moment. Ah bah bravo Skytinier, bravo. Allez, 3, 2, 1. J'ai cherché un café et je reviens et tu te manges la pub, enculé. Tu l'avais pas vu venir, ça, t'étais pas voyant.
Hey, Kalingo, il est beau ton café. Ok. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Moi, j'ai vu. Moi, j'ai vu. Je connais la couleur. Qui a parié vert ? Hein ? Moi ? Qui a parié bleu ? C'est bon le café quand même. Hein. Vous buvez du café, vous ? 43K sur violet. Aïe, aïe, aïe. Hey, gringo, il est bon ton café. Ça va, Cléga. Putain, je suis passé hier sur ton live, Cléga. Et n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Eh, t'as level up, hein. Qui a parié légendaire ? Ouais, bien joué. Mais c'est pas légendaire. Et moi, moi. Et la couleur est... Roulement de tambour. Voilà. Bleu. Ouh. Les deux sont contents. Je démissionne. Et bam, vous avez fait combien là? Yes. Snook, Snook, il a fait 1 million aujourd'hui. C'est sûr en plus. 2-4-3. Il me reste 167. Ah ouais, tu viens juste de les gagner du coup. À moi les 35K. Ok, vous pouvez vous refaire. Oh, il est mignon celui-là. Oh, je suis sur un compte de merde en plus, donc je pense que je vais l'équiper. Je dois rien avoir comme, comme truc ici. Le dernier, les amis. Le dernier. All-in, tout le monde. Je veux voir que du all-in. Tout ce qui vous reste. Surtout les pauvres, là. Les pauvres. Envoyez toutes vos tunas. Vos 62 salty money. 12K, 31K. Bah, nice. Violet. Ça, on est obligé de terminer sur légendaire. C'est l'algorithme de d'Ubisoft. Hein. Non que 50K. All-in sur vert. Jamais c'est vert, ça. Jamais. Jamais, 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 jamais. Vu qu'il fume pas, je l'ai. En même temps, me reste 10. Ah bien ouais. Moi je dis blanc là après un bleu. Il y a pas de blanc, il y a plus de blanc, ça existe plus. Vert, bleu, violet, légendaire, jaune. J'ai le Covid donc vert. Hey, il revient le Covid là. Il revient en force. Ladies and gentlemen, prédiction terminée. Roulement de tambour. 3, 2, 1. Légendaire. Légendaire vert. Hey, y en a, il a mis que vert aujourd'hui. Il s'est fait, il s'est régalé. Il y en a, il a fait que du vert aujourd'hui. Il s'est régalé. 80% de vert aujourd'hui. Snock. Non mais Snock, t'es sérieux ?
Snock 42 là, t'as fait combien aujourd'hui? Yo Fizzy. Il a fait 603k. T'as fait 600 000 de Salty Money aujourd'hui. On raid ta pote. À qui du coup? Qui vient d'utiliser la Salty Money 500k? C'est toi qui viens de l'utiliser. J'ai perdu 6k. Il faut que tu me dises qui on va raid du coup. Et il faut qu'il soit là en fin de live. Puis de 10k à 600k. Snoke, je sais pas si t'as vu, mais tu viens d'utiliser le truc on raid mon pote. Hein. Non, c'est pas lui qui a utilisé. Je rêve ou moi je vois on raid ton pote utiliser 500 000. Tu viens d'utiliser 500 000 Snoke. Hein. Tu veux qu'on raid qui? Cool. Cool, c'est le nom du streamer? Je comprends rien. Amourante. Non, j'ai dit son pote. Et après, j'ai le droit. Raid celui que tu veux. What? Mais t'as fumé de la weed ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais je te rembourse là. Attends, c'est où? Oh, je sais plus comment. Oh putain, et viens me voir sur Discord. Mais non, mais il me faut que tu me donnes un nom quand c'est comme ça, là. Oh la vache, dégueulasse. Bah, je l'équipe tout de suite parce que ça, on va pas le voir, du coup, c'est parfait. Il faut que tu me donnes un nom sur Discord. Il faut que ce soit en fin de live. Ok, je peux pas le faire tout de suite. Discord. Il a déjà été remboursé. C'est déjà fait. Ah, nickel. Ça a déjà été remboursé. Ah, ok. Ok, nickel. Let's go, je lance ça en attendant. Il y avait ça à enlever. Le pire Zaz nickname. What? Pourquoi je peux pas mettre deux trucs? What? Pourquoi je peux pas changer? Ah, parce que je suis en. J'ai lancé ma game, je pense, c'est ça? Appears as. Vous avez rien vu. Allez, vas-y. C'est quoi la meilleure couleur pour le viseur? Vert clair. Eh, je vais faire comme le marabout maintenant. Je veux dire, faut que tu sois étudiant. Je répondrai à ta question quand tu auras pris rendez-vous avec moi. Eh oui. Ah ouais, je vais faire comme ça maintenant. Dès qu'il y a une question dans le chat, je vais demander à ce que vous preniez rendez-vous. Les gens vont me dire, ah bon, rendez-vous? Ouais, tu deviens étudiant. Merci infiniment, Flazer Banks, pour les 13 mois de frais de scolarité. Axred pour les 8 mois. Vous êtes des monstres, les amis, vraiment. On prend rendez-vous à l'accueil. Sickness 42. C'est qui Sickness 42? Viens sur Discord me donner le nom et le lien de ton truc, de la personne. Et je pourrais pas le faire aujourd'hui. Donc, c'est mon fils. Alors, autrement, on va le voir si tu veux. Et si je le raid, faut forcément que ça se fasse en fin de live, un raid. Parce que c'est envoyer les streamers, les viewers vers la personne. Et il faut que moi, j'ai déjà fini le mien.
Et il faut qu'il soit en live, en fait. Raid une personne, c'est envoyer les viewers vers un autre streamer en live. À la fin du stream du streamer A. They're going to ban Emerald. Let's ban Bang, guys. Oh, fuck. Oh, fuck. Bad choice. I'm so sorry. That's like the greatest decision ever in 2022. T'as encore Messi J? C'est Messi J ou quoi? Messi J est en live? I'm so fucking sorry. You'd be like that. Dites-moi si c'est Messi, ce serait ouf. Trois fois d'affilée en deux semaines. Non, c'est pas lui. Ah, ok. You have Messi J's voice. Are you Messi? I didn't hear. Il est sur Oregon. Ah non. Mais si. Mais non. Ah bah j'ai des skins maintenant. Da 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 da. Ah bah full black hein. On est bien là. Il enlève sur Oregon. Bon bah au moins on est sûr que c'est pas lui. C'est la ma nouvelle map de la saison, je l'avais pas encore vue. Ouais. Elle est bien. Moi j'aime bien. Je trouvais pas que le jeu est trop terne quand même pour un jeu. Il pourrait mettre quand même plus. Il pourrait le colorer un peu plus quand même. En particulier sur les maps comme ça là. Oregon, cette map là, le jeu pourrait être plus beau s'il colorait un petit peu, il saturait un peu le jeu quoi. Non ? Je vais le faire pour eux. Your mission is to locate and defuse a bomb. You have dropped the diffuser. Et hop, c'est mieux. Deploying Selma. Tadam. Elle était passée où la petite sœur? Elle était restée dans ma JPC. Ah ouais, on s'est fait défoncer la rondelle là. Vas-y, ils vont pas venir. Hein. Qu'est-ce qu'il fait l'autre derrière moi? Ah ouais. One friendly operator remaining. Il était exactement là où j'ai tiré. C'est quoi ces mecs là? Bon, je vais faire un kill à la clé mort au moins. Voilà. Et un deuxième.
Allez, un deuxième kill avec la mort. Mais qu'est-ce qu'ils font ces bouffons? Eh ben, elle va être cool cette game. T'as eu le cas de tester la dernière grosse match sur Ready or Not demain, les amis. Bon, vous voulez que je vous fasse voir un truc ou quoi? Coucou. Tu veux voir ma bite? Demain, le proviseur 6-4 ainsi que les étudiants sont chargés d'une mission de catégorie S. Soyez là demain. Ça va être cool. Ah, parce que là, Rainbow Six, on se fait chier, là. On est marre. Ah bah c'est bon, c'est plus haut de bac. Ça va, tout le monde? Bon bah je suis avec des totos. Et ils en ont rien à foutre. Insertion in 10 seconds. Encore une game 5 seconds before insertion. You must locate and defuse a bomb. Ouais, j'ai pris quoi? Sledge. Ah ouais. Ils font ça, ces bouffons. Bon, les amis, ils veulent perdre la game. Moi, j'attends. J'ai juste à couvrir les bacs avec des blaireaux pareils. De retourner sur Arma. Bah j'aimerais bien, mais je pense que j'ai perdu mon serveur du coup. Parce que je l'ai pas payé. Donc je vais attendre les mises à jour truc mûche. Vas-y Sledge, c'est marrant au final. Je vais attendre les mises à jour et puis voilà quoi. Sur Arma. Je sens qu'on ira sur Arma dans un an. Dans un an, ça me paraît pas trop mal. Là. Yo Manu. Demain, Ready or Not en revanche. Et ça va être du gros tryhard. S'il y en a qui ont Ready or Not et qui veulent tryhard, contactez-moi sur Discord. Mais il faut du bon gros joueur. Il va vraiment falloir tryhard. Mmh.
drop the diffuser. The diffuser has been secured. Ils font quoi, les mecs? Changing mics. Bah, je sais pourquoi sur Ender, mec, ils sont nuls en face. Hein. À ma gauche. Reloading. Je sais pas ce qu'ils font les autres. Hein. Ces petits cons, je sais pas ce qu'ils font ces petits cons. Visiblement ils ont envie de perdre en tout cas. On en est à peu près sûr. Pourquoi c'est la map qui leur plaît pas ou... Que des mecs qui bougent. Mais qu'est-ce qu'ils font depuis tout à l'heure là? C'est horrible. J'aurais dû mettre oui pour surrender. C'est horrible les gens comme ça. Yo Karma on air! Merci pour les 4 mois de frais de scolarité, poulet, t'es un monstre. En même temps, ouais, ready or not demain. Ce soir, je pouvais pas ready or not parce qu'il y a la réunion comme tous les jeudis soirs. Merci Aetos pour les 11 mois de frais de scolarité. Un monstre, poulet. 4 cœur 6 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 4 LOVE 6 4 LOVE 6 4 LOVE 6 4 LOVE. Merci Aetos, t'es un monstre. Merci pour tes 11 mois. Yo les gars, je viens de reprendre le Rainbow Six, ça veut dire Ricky de venir jouer. Point d'exclamation Discord, poulet. C'est là que tu trouveras du teammate, je pense. 10 seconds. The diffuser, 5 seconds left. You've run out of time. Bon, est-ce que je ferais pas un gros TK déjà, tu vois? On va prendre... J'ai presque envie de les TK, quoi. Le truc, c'est que j'ai plus de compte après. Juste pour que ça aille plus vite, quoi. Parce que bon, si on est dans mode troll, autant enchaîner sur une autre game. Badadadam, badadadam. Faut mieux juste courir dans le tas. Ouais, je suis d'accord. Bon, c'est ce que je vais faire. Ouais, qu'on enchaîne la game. Mais bon, l'autre, s'il reste sur le toit, tu veux faire quoi? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Hein. Que veux-tu que je te dise? Que voulez-vous qu'on dise? Ah oui, Eliminated. Ah ouais, les gens veulent vraiment pas jouer Emerald Plains, quoi. 10 seconds to insertion. C'est dommage, hein. Be advised, ah, j'aurais dû bien accepter le surrender. Oh, le surrender est instant deny. Non. Ouais. Eh ben, on a les pires. Hein.
Mais c'est vrai que Arma, j'aurais bien rejoué hier, ça me tentait bien, quoi. Genre, vraiment. Mais le truc, c'est que si je remets le truc, il faudra des gens sur Arma, quoi. Ouais, bah c'est toujours pareil. Ouais, si en revanche, en face, les gens, ils font de la merde aussi, c'est un peu de... Ça va être relou, là. Ça va être vite relou. Et puis, je peux pas faire de TK, là. Il y a vraiment des gens qui sont juste là pour niquer toute l'expérience du jeu, quoi. Comment allez-vous, j'ai un entendre Arma. Bah ouais, mais le problème, c'est que j'ai plus mon serveur, en fait. Le problème, c'est que j'ai plus mon serveur sur Arma. Il faudrait que je repaye le... faudrait que je le repaye. Et après, le temps de le mettre en place, 19h, etc. La réunion est à 22. Ça me paraît... voilà, quoi. Faudrait des DLC sur Arma ou le jeu de base suffit? Non, tu peux y jouer, sans DLC. J'ai vu qu'il y avait des mecs qui avaient mis des bateaux sur Arma. Ça, c'était vraiment un truc qui manquait. Bon, je vais sûrement me faire TK. Hop, hop. Aïe, 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 aïe. Bon, autant essayer de voir pour des spawn kills. Autant profiter du temps qu'il nous a donné pour voir s'il n'y a pas moyen de tenter des trucs. Ouais, là ça me paraît un peu compliqué. Found a bomb, you must defend it. Ça va être marrant à jouer Kavera quand même. Un champion, il fait que de m'insulter, ça m'énerve, t'as pas une solution, en cherchant, je suis hors d'eux. Oula, pourquoi tu spammes ton truc là, Mathis? On spamme pas les messages ici, hein, c'est pas... C'est pas ce que je veux dire. Sérieux, respect à toi, 6, de jouer solo, QQ. Alors que c'est un des jeux tellement genre que les autres teammates sont comme ça. Ouais, franchement, ça me dérange pas, ça... La majeure partie des games sont quand même relativement cool. Voilà quoi, c'est rare qu'il y ait ce genre de truc. C'est une question, Mathis, pour l'exclamation Discord, poulet, ce sera mieux. Alright. Encore merci à Aetos pour les 11 mois. Ouais, donc je disais, Arma, bah le serveur, faudrait le repayer. Et voilà quoi. Pourquoi, qui est-ce qui est sur Arma là? À qui est-ce qui viendrait? Parce qu'il faut toujours du monde en plus, c'est ça le truc quoi. À quand un petit live airsoft pour nous montrer ton matos? Ouais, si je dois faire un truc avec le matos, ce sera une vidéo YouTube, je pense, hein, tu vois.
je pense. Hein. Mais montrer le matos, c'est pas trop mon truc, quoi. Peut-être, on verra, à l'avenir. J'aime pas faire les trucs comme tout le monde, quoi. Être vendeur de chez Darty, là, ça m'énerve. J'aime bien les trucs qui me font kiffer, quoi. Moi, l'important, c'est que ça me fasse kiffer. À quand une vidéo R6 ? Il y en a une qui est sortie hier soir. Comme tous les jours. Si on t'échampe, bien sûr. Je fais quoi ? J'attends un peu ? Ouais, je vais attendre un peu. Coucou tout le monde, salut Milly 1727, comment ça va ? Bien ou bien ? Ouais, je sais pas, du coup, je sais pas trop. Pour Armin. Parce qu'il y avait vraiment des bonnes soirées quand même. Hein. Et la mise en place, parfois, c'est un peu compliqué. Réunion à 19h. Moi ? Non. Moi, j'ai pas réunion à 19h, si. What the fuck ? En plus, le staff event peut gérer une partie du serveur. Non, l'event. Ah. Ouais, je suis d'accord. Mais... Ouais, je sais pas. Qui est là sur du R6 sur du Arma, tu vois. Toujours pareil, il y a toujours une personne qui pense qu'elle est le porte-parole et puis après tu te retournes et puis il n'y a plus personne, tu vois. C'est toujours pareil, au final. Ah ouais, mais non, en fait. Donc c'est toujours relou. Arma, je pense qu'on y retournera quand il y a... Il y a des choses pour les consoles sur le Discord. Ouais, bien sûr, Mathis, va voir. En exclamation Discord. Moi, j'ai quelqu'un qui gère de ouf les mods. J'espère que c'est pas Yayo. Nom de Dieu. Parce que je fais de l'airsoft depuis maintenant un an et je suis à fond dedans. J'ai acheté un sniper tout le gameplay, franchement intéressant. Alors regarde, justement sur le Discord, il y a une nouvelle section en bas à gauche. Tout le monde se partage les photos en ce moment. Merci infiniment Moonster pour les 9 mois de trait de scolarité. Et il y a des personnes de toutes les régions. Et on est justement en train de monter ça en fait en ce moment. Ceux qui veulent headshot 6IRL, let's go. Ouais, grave, j'en ai pris quelques-uns samedi dernier dans la tronche. Il y avait des bons joueurs, il y a des très bons joueurs. Il y a vraiment des mecs qui... Voilà quoi. Tes vidéos Airsoft sont incroyables, j'en ai fait qu'une. La prochaine doit sortir cette semaine, mais on est encore dessus. C'est quoi le meilleur casque pour 300€ de budget 6? Pas besoin d'aller jusqu'à 300€. Tu prends le mien, t'as déjà le top du top. Beyer Dynamics DT770 Pro. Voilà, c'est tout quoi. Pas besoin de mettre cher parfois pour avoir de la super cam. Hein. Et ne prends pas le 990 même s'il existe depuis très longtemps. 770 Pro, 50 ohms ou 250 ohms en fonction du fait que t'aies la possibilité de lui envoyer de la patate derrière. J'ai que des trucs à plomb, à gaz, ça passe. Hein. C'est grave. Ah mais c'est 6 mm. Ah bah non, c'est 9. Hein. Alors, l'avantage, c'est que là, il n'y a pas d'Highlander, quoi. Les gens sortent. Drone has located a bomb. D'un point de vue scénar, c'est cool. Traité. Ah ouais. Ouais, donc il y a une vidéo, il y a deux vidéos en préparation en Airsoft parce qu'il y a eu les deux sub-goals qui ont été remportés. D'ailleurs, en parlant de sub-goals, j'en ai mis un au-dessus de ma tête. Hein. Si vous voulez voir un truc de ouf, une autre Campus Cup sur PC.
À vous. À vous de jouer. Oh, there is a Mosey drone. Can you send yours first? Oh, yeah. It's okay. It's still here. Two there. Two behind this. You can open. You can open, Tango. There is nothing behind. Can you grenade behind this, Tango? You have a kill. Activating adrenaline surge. I don't have any nades, that's a problem. Oh yeah, you thought. Oh yeah, yeah. QZ, can you make your mic a little quieter? Yeah. Louder? Oh no, I can't, sorry. Quiet. Less loud. Oh, okay, I will. One friendly operator remaining. Breacher. La finale versus les héros. Vous allez voir. On a prévu un truc de ouf. Si vous êtes, si vous répondez sur les sub goals, si vous répondez sur le truc comme ça, vous allez être incroyable. Vous allez dire waouh. Déjà mardi prochain. Mardi prochain, vous allez faire OK. OK. Pour les héros d'Oregon. OK. Yo, Chalkwave. J'ai réussi à transpercer mon portail en métal avec mon arbalète. Hein. Je pensais pas que c'était aussi puissant le truc. We need to locate a bomb. Du coup, t'as un trou dans ton portail? T'aurais dû appeler un voyant. Drone has located a bomb. Tant que c'est pas le chat ou la belle-mère, clairement. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Tu connais Guillaume T. Eh bien, c'est de la merde. Je vois pas ce putain de câble de merde là. T'es aveugle ou quoi? Ah non, il avait pas pété. Hein. This is what I think. Drone activated. On aurait dit un module le truc. Pourquoi j'ai pris avec Q? Qu'est-ce qui m'arrive là? Look around.
Oh là là. Ah, je les entends pas en revanche. Y'a un problème sur le Discord à qui je m'adresse. Faut créer un ticket, poulet. Y'a un ticket support sur le Discord. Je les entends pas du tout, les mecs, moi. Voice chat, ça doit être ça, non? Is it better? A lot better. All right, let's win. Yes. They're gonna be lobby. We need to locate a bomb. Allez, vas-y là, j'en ai marre là de jouer en mode détendu du genou là. Avec des mous du gland là. Et moi j'ai vraiment un sentiment de stagnation au niveau jeu, genre y'a plus vraiment de grosses sorties. Ah, pas mis à part GTA 6, on ne connaît pas la date. Bah y'a eu Non, c'est juste que les gens sont blasés parce qu'on vit dans une société, et en particulier dans le monde du jeu vidéo, où vous avez déjà tout eu en fait. 10 seconds to go. La surenchère, c'est le problème de faire, de devoir faire plus et plus. Hein. Il y a un moment, c'est juste pas possible en fait. Donc forcément, il y a des gros moments de stagnation, mais en fait, qui sont quand même des moments où ça augmente, mais ça augmente pas assez vite quoi. Okay, yeah, there is one here on my ping. Still there, you can fuck her. We need to fuck her. Normalement j'ai pas envie de tryhard, moi j'ai envie d'être tranquille. I'm calling. Napkins and piano. You called? Yeah, I called. First bullet, literally first bullet, Rainbow? First bullet. You hit fired me. First bullet. Wow. Putain, mais comment je peux m'attendre à ça? Comment je peux m'attendre à ce qu'il y a un mec qui arrive là? Là, il y a zéro contrôle. T'as trop fait marrer l'autre. First bullet. He fire me first bullet. Oh, tu peux rien faire, j'ai même pas envie de leur expliquer les trucs. Ils se démerdent. Contrôle gauche t'en as, juste à gauche. Oui. You must recover the diffuser. We have been eliminated. Oh my god. Ah, tu peux pas. Pff, en face ils savent à peu près jouer, en face c'est les gold 3. Avec moi, c'est des bronzes moins 4. Et on est 4. Je peux pas.
Des fois, quand ça veut pas, let's go top. Hein. Et puis l'autre, pourquoi il a livré le début là? Ah, c'est con parce que consulat, j'aime bien moi. J'aurais bien aimé la jouer sérieux. Ouais, donc je pense que le vrai problème c'est ça, c'est le fait que on soit dès qu'il y a un jeu qui sort, voilà quoi. Les gens en deux minutes, c'est bon, c'est passé, on est passé à autre chose quoi. Il faut absolument à la limite qu'on leur prémâche le travail et qu'on leur dise attention, mais ça c'est bien, n'oublie pas. Donc il faut que tout un tas de gens leur disent ça c'est vraiment incroyable. Ah ouais, putain, c'est incroyable. En fait, le truc est rendu incroyable non pas par la qualité de la chose, mais par le fait que les gens qui lui ont dit que c'était incroyable, on lui ont dit que c'était incroyable et que. Voilà quoi. Vraiment, hein, je serais pas surpris hein. Si demain il y avait 3 millions de personnes qui disaient Battlefield 2142 c'est incroyable, je suis sûr et certain qu'il y aurait plein de gens qui diraient ce jeu c'est le meilleur jeu au monde. Je sais, hein, c'est un peu tiré par les cheveux parce que le jeu a plein de défauts, on le sait, mais tout. Mais je pense qu'on en est à ce niveau-là. Can we rotation here? No, rotation. It's okay. You can go in the toilet now if you want. En revanche, si on spawn quelque part, we need a reinforcement here. Bon, c'est fini. Hein. Ok, so. Communication, guys, yellow stairs. Putain de fils de pute, tu veux pas prendre ta caméra, t'es nul à chier, prenez les cams au moins. Je veux bien, moi, essayer de vous carry, mais bon. Si... Piano as well. One yellow stairs, knock. Voilà pourquoi j'aime pas level up. Mais si j'ai envie de m'y mettre, après je vais être déçu par. Hold an angle on yellow. Good. Knock is still yellow, hein. Allez, on va les faire parler. Ils ont envie de parler quand même. She's pushing. Yeah, she's pushing, pushing. I can't see her, though. Yeah, she's still in the yellow. Wow, what a name. It's okay. Another, but I don't know about the other one. Nock is basement now. She's going to push from the other side, from the visa stairs. Visa stairs now. And one top yellow. One for you, not right we're now. Good, we're good. Eco. He's gonna, he has a hole in bathroom. He has a hole in bathroom. Yeah, but we got the bathroom camera. Oh no, he's in a shit. Don't pick, Thunderbird. Yellow, yellow. He's in yellow. Nading, nading. Bathroom. He's on bathroom. You stay on the ping, it's. Bathroom, yeah? Oh, mais non, mais il pue la merde. Vite, allez, vas-y, perds vite. C'est pas possible de perdre ça. Look is in it. Non mais on s'en fout, t'as perdu ton duel mec. What? Attends. Il l'avait tué l'autre? Ah, autant pour moi. Easy 4K? Easy 4K. Easy communication now? No one knew he was there, there's only four of us. We weren't playing that part of the map, pal. What? Easy, you said easy communication. The guy bought him yellow. And you died to him. You're like, communication guys? No, I said like that was good communication. Okay. And the guy was, yeah, bottom yellow, yeah. Vas-y, commencez pas à me casser les couilles là. Easy 4K. Ah, oh, c'est les pires ça. Let's get it. Je peux pas leur expliquer. Ah, le diffuse. Je peux pas le défendre, yellow stairs. I'm gonna have to get the main wall.
can get the top hatch above garage. Alright, I'm getting all the rough. Whoa, 45! Ready, set, finish the plate. They're gonna be another nook. 10 seconds left. Camera is reinforced. 5 seconds left. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Oula. New feed up. Evil eye deployed. I just bug something? Yeah, visa, I think. Yeah, visa door. Door? On a entendu une window. They're running garage now. Nog va arriver dans mon cul. I know I have a Cali and then thermite. C'est trop strong, Nog, n'empêche. Got inside yellow door. Yellow door open. How are we gonna go for plant? They're in garage by white, in front of white truck. Op 4 is defusing a bomb. Ah. You need to disable their diffuser. Located a diffuser, destroy it. Je peux faire quoi avec ça, mec? Op 4 has located a bomb. Game, Rainbow Six. Exactly 1 HP, 3 headshots. One's upside down, rappelling on the wall. Remind me on the right. Your location has been compromised. One's yeah, laying down on the right side, right side, right side. On your left, GG boys, have a nice day. You can't win. We have to win. You can't win. You should have gotten your kill. Yikes. GG's. Oh my god, c'est game. Putain, ça fait 2 games de merde d'affilée, quoi. Les gens se réveillent sur la fin. Comment veux-tu, quoi? J'ai envie d'aller m'amuser au niveau du visa. Les mecs, ça plante devant le camion. C'est pas croyable. Oh my god, le niveau. Hein, ils sont pas contents après toi, les copains. Oh non, ils ont rien dit contre moi. Il a dit « You can't win ». Il parlait au maestro. Ils ont rien dit du tout. Vaudrait mieux pas, d'ailleurs. Ils ont rien fait sur la game. Je vais relancer. Tellement passionnant des games comme ça. En espérant de retomber avec les mêmes dead donc. C'est vraiment tellement cool. Mec, je pense que t'es mon streamer Rainbow Six préféré. Hein. Bah abonne-toi. Montre-moi ça. Comme le marabout de tout à l'heure. Prouve-le. Point d'exclamation sub. Je relance. Salut AKX. Merci Ragnariz pour les 5 mois de préscolarité. Merci poulet, t'es un monstre. J'ai relancé. Le marabout était vraiment nul, je trouve. Hein. Tu m'étonnes. Merci Sam Luffy. Vous êtes des monstres, les amis. Merci tous les deux pour les 5 mois de frais de scolarité. Des monstres. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Let's go 6. Aïe, aïe, aïe. Ça va relancer. Ouais, tranquille. Hein. Bon, en tout cas, soyez là mardi, comme je vous le disais, parce qu'il va y avoir du lourd. Bon, soyez là demain aussi, hein. Soyez là tous les jours. Mardi, ça va être spécialement lourd. Un truc préparé de longue date.
Moi, j'en ferai sûrement une vidéo. Je pense. J'ai pas d'argent, en plus je suis en examen. Ah merde. Bah c'est dommage. Bah sache que t'es pas mon viewer préféré du coup. Ah c'est dommage. Overa Gamer et le Guise sont mes viewers préférés. Alright. Bon, qu'on attende pas trop non plus. Là, si on pouvait avoir une game à peu près logique, à peu près normale, à peu près cool, ça serait pas mal quand même. Hein. Ah, tu vois, Akuit offre tes droits de scolarité. Hein. Mathis PSVT, hein. Tu peux lui dire merci. Merci Akuit, t'es un monstre, poulet. T'es un putain de monstre. Et merci Zaork. Wouh. Merci pour les 20 mois, poulet. Vous êtes des monstres. 20 mois déjà. Monstrueux. Ça, c'est musique. Quoi. Hey. Merci, vous pouvez faire point d'exclamation charme, du coup, même quand vous faites payer vos droits de scolarité, comme d'hab. Oui, oui. T'as fait foirer mon truc, on a cliqué en même temps pour offrir un sub. Bah bravo. Ouais, j'aurais bien joué à un autre jeu, là. Putain, en ce moment, j'en peux plus, sérieux. J'en peux vraiment plus, quoi. C'est la fin de la saison. Enfin, c'est le début de la fin, quoi. 2-3 semaines. Surtout que le nouvel opérateur est pas sexy à jouer. Yeah. Et je sais pas quoi. Entre Arma, il n'y a pas les serveurs. Entre Ready or Not, faut qu'on y aille demain parce qu'il va falloir beaucoup de temps. Il va falloir du temps demain. Après, Door Kickers 2. C'est compliqué. Door Kickers 2 hier, ça intéresse personne en live, comme d'hab. Malgré le caractère exceptionnel du jeu, mais c'est moins streamable. Ouais, je sais pas. GTFO, quelle masterclass. C'était chiant quand même au bout d'un moment, non? GTFO. C'est cool à jouer, mais ça doit être chiant à regarder au bout d'un moment, non? C'est un peu toujours la même chose, non? C'est vide un peu GTFO, je trouve. Ouais. Ouais. Je pense que le mot est bon. Vide. Ouais, c'est vide, ouais. Le bestiaire est vide. Les salles sont toujours les mêmes. T'as l'impression que c'est CTRL-C, CTRL-V, même si c'est pas vraiment les mêmes, mais c'est un peu pauvre, ouais. Un peu vive. Un peu vide, ouais. BF. Ouais, c'est clair que retourner sur un petit BF, là, sur la nouvelle map, ça pourrait être pas mal. Mais c'est pareil quoi, en 3 jours il n'y a plus personne sur le jeu. J'ai l'impression que la France c'est, la seule, c'est le seul pays à aimer à peu près la map quoi. Et à aimer le jeu quoi. Il n'y a même pas de gros streamers à l'international qui... C'est ouf quand même tu vois. A plus tard, Akui. J'ai stoppé Rainbow depuis un moment. Je sais pas si ça vaut le coup de reprendre d'un point de vue du gameplay et de la commu. T'en penses quoi? Bah, ça dépend de ce que tu veux faire dessus. Non, franchement, le jeu est toujours aussi cool. Hein. Il a ses défauts. Il est pas parfait. Alors, en général, quand on est tombé amoureux, on revient dessus, quoi. Qu'importe les temps d'absence, quoi. 6 mois, 1 an, tu reviens dessus, quoi. Faut pas trop partir solo, c'est tout. Si tu pars solo, l'expérience de jeu, elle est un peu pourrave. En même temps, tu tournes vite en rond sur la saison 1. La saison 1 de... Ah ouais, de BF, là, t'es dessus, là? Ouais. Ouais, je vois. Je vois bien, ouais.
Bah ouais, le truc c'est que t'as la nouvelle map, tu vois, tu joues, tu fais 10 parties sur la nouvelle map et puis en avant quoi. Après je peux comprendre peut-être pour les plus jeunes d'aller choper le Battle Pass, tu vois, et les éléments de type cosmétique, mais alors moi ça m'atteint pas des masses. Et encore bon, ça peut être marrant d'aller choper un petit Little Burn, un petit truc. D'en plus ils ont vraiment nerfé ça, donc je suis obligé de partir en squad, je peux même pas jouer solo. La façon dont ils ont nerfé les véhicules aériens, elle est ridicule. Elle est vraiment ridicule et je dis de façon objective, pas subjective parce que ça m'impacte moi, mais vraiment de façon objective, c'est ridicule quoi. Ils ont voulu répondre à la majorité de la communauté, bon bah, qui répondent à la majeure partie de la communauté, et ils l'ont fait, bon. De mon point de vue, les skins, c'est un peu du vent. Bah, c'est toujours le cas, hein. Les skins, c'est toujours un peu du vent, non? Mais bon, il y a du vent sympa, quand même. Ouais, franchement, j'en peux plus de faire que des games à 4, quoi. C'est la troisième game à 4, sérieux. Bon, au moins, on a une vraie map. Parce que Emerald Plains, là... Merci infiniment, Romain, nouvel étudiant du campus. Bienvenue, poulet. Point d'exclamation, Discord. Discord, point d'exclamation, charme, pardon. Abonnez-vous pour avoir le charme. Okay. Bah voilà, tu l'as maintenant. I'm gonna attack VIP. On va faire ça plutôt, hein. 5 seconds. Drone has located a bomb. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Oh well, he's dead. Ouais, bon là, s'il y a que des games comme ça aujourd'hui, ouais, je pense que c'est à cause du marabout qu'on a appelé ça, les amis. Hein. Je pense que c'est le marabout qu'on a appelé. Hein. Acheter un sort. Ah. Oh putain, j'en peux plus. J'en peux plus de ces games où personne ne parle, personne ne drone, personne ne fait rien, y'a rien, y'a aucune cohésion, bam, c'est déjà tout mort, c'est un deathmatch le truc. Est-ce qu'on ferait pas un Ready or Not genre maintenant là? Ah, j'ai pas prévenu les gens. Mais en prévention de demain là. Enfin, en préparation pour demain. Mais là j'en peux plus quoi, personne ne veut respecter les games, bon. Ça sert à rien. Quand ça veut pas parfois. Hein. Le max dans un moment. Ouais, faudrait peut-être mettre un truc plus pastel derrière le. Dans le fond d'écran derrière moi, que ça attire moins l'œil. Ah ouais, les thumbnails, tout ça. Des gens dispo now pour Ready or Not. Le bien nommé, du coup. Yes, go. Faut pas forcer. Ouais, je pense qu'on s'est fait marabouter, les mecs. Hein. Je pense qu'on s'est totalement fait marabouter, quoi. En plus, il y a une grosse mage de ouf sur Ready or Not. Et sachant qu'à mon avis, on va pas pouvoir faire en one tap le mission S demain, autant tricher un peu et continuer déjà aujourd'hui. Et commencer déjà. Hello Louise. Faut pas forcer. Ouais non, je suis assez d'accord. Yo GLBP17. Welcome. PP17, bienvenue poulet. Prenez ça va son charme. A défaut d'avoir du charme, tu peux avoir le charme. Tu fais du repérage. Comment ça va ce soir? Bah ça va.
mis à part qu'on a envie de se barrer sur un autre jeu. Donc on va aller sur Ready or Not, parce que là j'en ai marre des games de merde. Du coup je demande VX, ajoute-moi sur le truc là. Non, je peux pas ce soir, sorry. Perso, je suis dispo dans 1h20 aujourd'hui. Dispo, s'il faut, oui. Ah, enfin. Let's go. Permanence. Sur Discord. Ouais, non, s'il y a des gros joueurs là, mais moi je veux du gros tryhard et tout là, des gens qui vont faire des mains courantes et tout, qui vont rentrer comme ça. Ça va être propre. Je vais halluciner la nouvelle map. Hop, je veux pas de spoil, je lis pas la fin de la phrase. Je lis pas la... Putain la vache! Il y a quoi là? Bon allez, on se casse, après j'alt F4 le game. Histoire que je sois banni sur tous mes comptes. Maybe one behind the desk, bro. Mais comme t'as pas envie de droner, t'es un petit enculé, je te le dis. Voilà, là. Ah ouais! Allez, bon, ça sert à rien. L'autre, je lui dis behind the desk, il veut pas y aller. Même moi, je l'entends au micro, au casque. Je vais halluciner de la mage. Oui, let's go! Faut qu'ils viennent tout de suite. Non, il n'y a pas de 19 minutes, c'est tout de suite là. Vous vous maniez le cul, nom de Dieu, dans la permanence. Allez, hop, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Au pas de course, je veux des gens motivés avec du 240 Hz, avec des mecs qui vont faire des mains courantes à gauche, des progressions de ouf, qui vont pouvoir des trucs de malade. Double shield, triple insertion, du bélier, du shotgun, du put your feet on the ground and your hand on the ground, you motherfuckers. La mage de quoi? La mage de Ready or Not. La mage de Ready or Not. Qui a l'air absolument incroyable. Et ce jeu est incroyable. Les amis, vraiment. Je sais pas s'il sortira un jour sur PC. Sur PC. Lapsus non révélateur. Sur console. Ah bah il y a encore... What? Je l'avais téléchargé hier, la mage, non? What? La mage de BF, la miam, t'sais, le mec qui confond le jeu. Ouais, non. La réalité des messages vocaux. Eh, j'aime pas trop les messages vocaux, moi. J'ai commencé à être moins relou là-dessus. Mais je suis pas un fan des messages vocaux, ça me saoule. Quand t'écris à quelqu'un et t'es en train d'écrire des directives, tu vois, en mode ouais, je pense qu'il faudrait qu'on fasse ça par rapport au taf, etc. Machin. Et là, t'entends machin, il est en train d'écrire. Et là, t'entends un truc du genre. Il est en train d'enregistrer un audio. Et là, t'entends. Ouais, alors c'était pour te dire par rapport à Douin, avec la voiture derrière et tout. 10 minutes de. Tout ça pour dire à la fin. Samedi? Oui, je serai là. Vous avez pas ce genre d'amis? Ah, moi j'en ai 2-3 quoi. Moi je me vénère. Je leur dis, tu pouvais pas juste me dire oui? Non, je suis en voiture. Oui, alors, t'as appuyé sur... Vous avez pas ça? Moi, j'ai ça. Y a des gens qui pouvaient pas lancer le jeu après la mage. Ah ouais? Non. Projet Zomboïde dans les jeux, ça, c'est beau. Bah, j'y ai joué. Non, mais attendez. Bon, là, ça va laguer, désolé. Attends, je crois que je me suis fait... Y a un marabout qui me rappelle. Alors, Oula. Oh, allez, je pense... Oh, j'ai eu peur, je pensais avoir envoyé le message audio dans le truc avec les parents pour les héros d'Oregon. Non, c'est trop bien les messages vocaux. Non, t'as pas le droit de dire ça, c'est horrible.
Les messages vocaux, ça m'insupporte. Mais je le fais, je le fais, je le fais. Ça m'arrive de temps en temps, ça m'arrive de temps en temps. Le jeu a bien changé, bordel, ça fait longtemps. R6 ou... Désolé, ça va laguer, hein. Je suis en train de télécharger derrière. Me fais pas trop chier toi parce que tu vas prendre un one tap là. Attends, je... 25 secondes, bon ça va. Open! You can walk in. Open! You located a bomb. He's even lucky. Ah bah elle est morte. Est-ce que c'est possible, vous pensez, d'acheter un pad? Oh là là, j'ai enlevé le truc, ça accroche au machin. Ah bon bah je peux plus rien faire. On va sur Radiant. C'était parfait. Je peux pas jouer à R6 comme ça, hein, je vous le dis tout de suite. You have dropped the diffuser. Down to one friendly. Ils sont où les gens? Echo drone on white. Op 4 eliminated all friendlies. Let's surrender, no one wants to play. Ah ouais, je le touche, mais... Il a son HP. Ok, merci Yoni, nouvel étudiant. Bon bah, je peux rien faire. Oui, le Bluetooth. Mais ça marche pas que sur les appels, non. What? Merci Yoni pour la nouvelle souris. C'est l'heure de commander une MX Master. Si tu fais des bleus vocaux, t'es obligé de cliquer sur ton tel. J'avoue. Non mais ça répond pas à ma question. Est-ce que vous pensez que je peux avoir juste le patin d'une MX518 Legendary? Je vais pas racheter toute une souris, c'est quand même... Faut penser à la planète. Juste pour le patin qui vient de sauter. Mais là c'est injouable, je peux pas jouer. Hein. Il me manque le patin du bas du coup. J'ai fait sauter. I can't play. En même temps, ça faisait un an ou deux que je l'ai. En règle générale, je les bouffe une fois par an, quoi. Go Logitech Pro. Non, j'ai des trop grosses mains. Moi, il me faut une pelle à tarte. Non, mais faut que j'en retrouve. J'aurais dû en prendre une ou deux d'affiches de RAB, là. Putain, je suis deg. Incroyable. Incroyable. Ah, puis, injouable, là. Là, ça me change toute ma sensi, quoi. Bah ouais. Bah ouais, normal. Ça lève le truc, du coup, elle décroche, quoi. Prends une Razer Deathsider. Razer. Non, vraiment, c'est de la merde, Razer. Got it.
Oh, les totos avec un... Même heure de l'intérieur et personne me le dit, mais comment je peux penser une seule seconde que personne ne va me dire qu'elle est à l'intérieur? Pour moi, elle était à la porte, tranquille. Qui fait ça? On peut détruire les nombres. Maintenant, ils sont affichés trop stylés. Ouais. Re-SX, alors ça gagne. On s'en fout. Personne ne gagne, personne ne perd. Là. On joue avec une souris qui glisse plus. Là. Je suis dépité. Et puis en plus, je m'étais dit, je vais en prendre une en rab d'avance. Et je suis en train de niquer mon tapis, ça va m'énerver ça. Ah! Allez, c'est parti, nickel, au revoir, ciao. Non, Alt F4, on voit Alt F4. Les pads, il y en a sûrement sur Amazon. Il y en a sur Amazon pour 5,6€, le pack de 2. Ah ouais? Mais c'est les vrais de vrais? Hein? C'est les vrais de. Logitech MX 518 pads. Ça s'appelle comment? Envoie-moi le lien, s'il te plaît. Ah, parce qu'en plus, la MX 518, en... comme moi, là, vu qu'ils la font plus, elle va coûter. Je l'ai déjà vue à 70€, alors que normalement, elle coûte 20 balles. T'sais. Je viens de voir que tu avais mis React Clip sur ton tweet. Ouais, bah non. Je l'ai mis entre parenthèses, je pense. Avec un point d'interrogation. Non, pas aujourd'hui. Sorry. Ils ont vraiment un truc sur Amazon maintenant qui s'appelle Climate Pledge Friendly. Amazon, ça. Genre le livreur, il arrive en... à pied. N'importe où. Je reçois mon CBD, c'est la fête. Waouh! Les pads, il y en a pour Amazon, sur Amazon. Mais moi, je les ai pas. Hein. Tu me les as envoyés sur Discord? Pads. Ah, c'est info chat encore? Ah si, non, c'est pas info chat. Il y a bien un truc. IT Service Hero 2, ensemble de tapis de souris convenable pour souris de PC. Logitech G400, 400S, MX518, V2. À 9,99€, c'est ça le lot de 2? CorePad Skaties Pro 160, pied de souris de remplacement compatible avec Logitech MX518 Legendary. Ouais, je pense que quand ils disent MX518 V2... Livraison gratuite dimanche 3 juillet, nom de Dieu. Et moi je bosse pas. Merde. Je vais être obligé de racheter une souris. Non. Les souris zombies sont toujours potables. Ouais, je pense, ouais. Je sais pas, je prends que du Logitech moi depuis 20 ans. J'ai toujours eu que du Logitech. Tout le temps. Je fais un peu un toto là-dessus. Attendez, je suis en train de regarder. Bon, à voir, hein. Au pire, je me rachèterai. Mais bon, 10 balles quand même, quoi. Prenez le temps de bien retirer tout le patin usé pour... Vous devez voir le plastique de la souris, puis nettoyer soigneusement la colle restante, laisser sécher un instant. Blablabla. Bah mec, il l'a mis sur une G502. Ça a pas grand chose à voir quand même, hein, une G502. Patin équivalent à ceux d'origine. Bon bah vas-y, on va voir. Hein. Y a pas les mêmes qui arriveraient plus tôt, genre demain? Ouais, franchement. Recevez-le le jeudi 7 juillet. Ah ouais. Livraison en un jour. Recevez-le demain.
Est-ce que je tente celui-là? Mouse, patin, pied de souris pour Logitech MX518V2. Vas-y, je tente. Achetez maintenant. Je tente, les amis. Hop là. Hop là. Et hop. Et hop, commande passée. Demain, 1er juillet. Voilà, c'est bon. C'est beau, la technologie. Hein. Y a-tu des QC? Je tenais à dire, est-ce que je kiffe tes projets? C'est grave cool ce que tu fais avec Youngtis. Je n'en fais rien avec Youngtis, moi. Je suis ambassadeur Youngtis. Ah, c'est important que je le dis parce que je sais que je suis ambassadeur comme tous les autres joueurs qui sont intégrés chez Youngtis. Donc c'est vraiment important. Parce que c'est Tipeee qui s'en occupe et qui est le patron de Youngtis. Donc ça fait partie, bien évidemment, c'était historiquement c'était à moi, mais comme personne ne s'en occupait, bah Tipeee a décidé de reprendre ça. Donc il fait ce qu'il veut avec. Ouais, c'est aussi simple que ça. Moi je peux pas, j'ai pas le temps de m'en occuper. Merci Mix pour les 20 mois de frais de scolarité. Mais oui, ce qu'il a fait là en ce moment, c'est bien quoi. Starf, Len, Klega et il manque une nana quand même, ce serait bien un peu de mixité quand même. Et qui est la dernière personne? Merde, je suis con ou quoi? Sky. Et c'est cool parce que c'est un peu des craquitos quand même. Mais il faudrait une nana. Mais il n'y a pas beaucoup de nanas streameuses. Mais nana streameuse, je pense. Enfin, qui soit pas là depuis longtemps. Donc, dans une taille. En devenir. Katini, ouais. Appelle un démonétiseur pour savoir si ce sera bien les mêmes. Putain, vous êtes con. What? Mais pourquoi ça fait ça? 28 gigas? Ah non, 13 gigas. Putain, je suis con, j'arrive pas à voir. Merci Mix en tout cas pour les 20 mois. T'es un monstre, poulet. J'aime bien Sky, il est cool. Oh, bah, tous les 4 sont cool. N'hésitez pas à aller les follow et à aller les soutenir. Ce sont de jeunes streamers. Merci infiniment Spart68 pour toi-même en fait. Je sais pas pourquoi ça a doublé dans le chat. Moi je le vois deux fois. Merci poulet. Bienvenue sur le campus. Enjoy le charme de la Salty Academy. Sparty. Du coup je sais pas ce qu'ils font les autres loulous là. Qu'est-ce qu'ils font là? Attendez, bougez pas. Mes oreilles pleurent. Nanana. Vas-y, quel bande de fils d'up. Yayo m'a envoyé ça, les amis. Vous avez entendu, non? Enfin, il y avait le son, je suis con. Vous avez pas entendu? Vas-y, ça me saoule. J'ai déjà essayé de jouer sur PC, c'est vraiment chaud vu que j'ai l'habitude de jouer sur manette, mais j'essaierai bien de m'y mettre vraiment un jour. À quoi? À R6? Ouais, faut s'y mettre. Mais bon, après, une fois qu'on est passé au FPS clavier-souris, on revient pas sur manette. Hein. On revient pas. Une fois qu'on s'est habitué, on se dit désolé. Hein, voilà quoi. Là, pour le coup, c'est pas juste du troll. Mais là, on se dit ok. Ok, effectivement, là c'est the real deal. Non, une fois que tu joues un vraiment, c'est tellement agréable. Ok. Non, sur PC, je joue déjà R6. Oui, mais justement, si tu joues R6 sur PC, jamais tu reviendras sur console, c'est ça que je voulais dire. Et il faut juste le temps d'adaptation. Ok, ils font quoi les blaireaux là? Let's go. Ils sont où les gens là? Ils sont où les gens? Je sais pas moi. Oula, tu lags? Non. Ah non, c'est peut-être moi en fait. Ah, désolé. Yo tout le monde. J'ai arrêté l'FPS console à la fin de GameCube et depuis j'y arrive plus. Bah, tu peux pas revenir en FPS une fois que t'as fait clavier-souris, tu vas pas revenir en arrière. C'est vraiment en arrière pour le coup.
Jamais j'irai sur console, tente le coup. Tu m'étonnes. Mais elle disait déjà qu'elle était dessus. C'est pour quand la cup 2v2 sur console? C'est pas prévu. Pour tout de suite. Je sais pas en fait. Je sais pas, on a déjà fait pas mal de trucs sur console. Donc voilà quoi. Il y a le temps. Hein. À mon avis, à Back to School en septembre. Et aussi que je viens d'arriver, tu go Ready or Not? No way, j'attendais tellement ce moment. Ouais, demain soir, on va faire une grosse soirée sur Ready or Not. Et là, on va aller tranquille dessus. Tranquille sur Ready or Not. Ils font quoi les autres? Je sais pas, j'ai demandé si... Je leur ai dit d'aller dans la permanence à ces gros bouffons. J'aime bien insulter gratuitement les gens. J'ai demandé juste si Chocal était une c'est bientôt là, vu qu'il avait dit 10 minutes, mais... Ouais, mais ça, c'est un militaire, donc forcément, il répond mal, quoi. On vous attend, bande de bouffons! Non, mais 45 minutes, on sera parti, hein. Et spam les gens sur Discord aussi, sur le GV, voir... 10 minutes les bros, j'ai une chose à terminer. Ils se foutent de notre gueule ou quoi? Dans 10 minutes à 19h01. À 19h01, t'as dit 10 minutes gros bouffon. Il est 19h21, ça fait 20 minutes du coup. Tu vas nous dire 10 minutes toutes les 10 minutes? Putain de militaire. Je vais les spammer, ça va être horrible. C'est quoi Ron? Oh, attendez, vous connaissez pas Ready or Not? Quand même. Il est sorti depuis quelques temps quand même. Putain, je pensais que tout le monde le connaissait. Wow. Ready or not? Right. Mais putain, c'est relou parfois. Hein. Il y a des. Estime, c'est pas le truc le plus ergonomique au monde quand même. Il y a quand même des trucs un peu cons quand même, mais bon. Let's go. Six-quatre. Comment convaincre mes parents de m'acheter un PC? Écoute, on fait un deal. Tu prends un sub, 3,99€ d'investissement, tu me donnes le numéro de tes parents et je vais les convaincre. Tu peux demander à tous les héros d'Oregon, il y a 3 mineurs et les parents, c'est bon. Et crois-moi que... Ils vont partir avec un YouTuber, 3 mineurs, à Paris. Donc voilà quoi. Ils avaient toutes les raisons de s'inquiéter pourtant. Et pourtant, ils ne s'inquiètent pas. J'ai vu des vidéos sur Twitter sur le jeu, il m'a l'air d'être pas mal. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel ce jeu. Je vais t'acheter une montre suisse pour être précis. TG6. Bah non, mais c'est vrai. Et regarde à Wolfie et tout ça, tous les gens qui étaient avec nous avant. Hein, Jumper? Ouais, j'ai envoyé un message là sur le groupe. Sur le Discord. C'est qui STMG par exemple hein? Le problème c'est que Discord, les gens désactivent les notifs. Merci bah, Nolan49, ouais. Nouvel étudiant du campus. Et s'ils font pareil sur WhatsApp, ça peut pas être cool. Bah ouais, c'est compliqué. Ouais. Nano, il a pas le jeu, il avait pas joué avec vous? Non, je crois pas. Moi, ça fait 3 ans que je suis ban du Salty Discord à cause d'un meme que j'ai foutu dans une conve. Ouais, mais faut pas insister là-dessus parce que tu vas te faire supprimer ton message, Milchek. Je pense que tu peux faire des trucs. Pas ici en tout cas, c'est pas l'endroit pour en parler. Alright. Du coup, ils font quoi les gens? Bien, je ne sais point. J'ai répondu que j'étais pas là. Aquin n'est pas là. Jumper vient. Oui, my bad.
On manque encore de personnes. Il va nous falloir une trentaine de personnes pour arriver à tomber là. Voilà quoi. Wolfie, go Discord. PV-le où il y a Wolfie qui est sur le Discord. Go, go lui dire de venir sur WhatsApp. Je crois qu'on va repousser à demain parce que moi, je j'aime pas attendre. Voilà, voilà. On demande aux gens d'être là. Ils nous disent 10 minutes, mais c'est 20 minutes. Ils oublient le principe du live, je crois. C'est un petit trou du cul, là. Ouais, t'as personne avec toi, toi, là ? Non, non, non. Essaye de voir, appelle partout, mais... balance ouais, du... Ouais, ouais. Ready or not, STMG. Hop là. Oh. Il y en a un qui a une game en plus. À plus tard, Louise. Je pense qu'on va aller dessus demain. Et on va organiser une belle petite truc demain, ce sera mieux. J'ai rien de mon côté. Ouais, on va faire ça, hein. Faut être combien minimum ? Ouais, faut être 3 minimum. 3 minimum. On avait prévu de le faire demain, en fait. Et demain, il y a une grosse soirée de Ready or Not qu'on a prévu. Grosse soirée tryhard, justement, pour aller tester le truc. Et ça va être vraiment incroyable. Mais voilà, faut être 3 minimum et on peut aller jusqu'à 6, il me semble. Bah, qui voilà, prévient voilà. Qu'il soit dans la... Bah, il aura la permanence chocolatine. Ok. Mais là, on va être 3... Ouais, mais on va faire ça demain, écoute. Quand les gens... quand il y aura un peu plus de personnes, parce que 3 personnes, ça va être trop relou. Ok ? Ça marche. Dès que les gens répondront un petit peu plus au tac au tac, là. Ok. Bon, merci, poulet. On se retrouve demain, du coup. Tu es là demain, toi ? Je sais pas. Faut voir. Faut voir. Ok. Faut je regarde. Eh ben, regarde. Eh ben, je regarde, ouais. Ok. Bon, allez, bisous, poulet. Ciao, ciao. Bisous. Bye, bye. Du coup, les petits loups, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a déjà perdu les gens dès qu'on leur parle d'aller sur un autre jeu qui nous fait kiffer. Ils sont partis, alright. Du coup, on s'arrête là. En plus, j'ai la réunion qui va commencer tout à l'heure. C'est pas grave. Demain, grosse journée, soyez là. Ce serait vraiment très cool sur Ready or Not, justement. Et ça va être incroyable parce que le jeu est vraiment, 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 vraiment bien. Il est vraiment exceptionnel, alright. Du coup, sur ce, je décolle. N'oubliez pas de faire point d'exclamation Twitter, point d'exclamation Discord sur le campus de la Salty Academy. C'est là que la fête continue, tout simplement. Alright. Je n'ai plus accès à quoi que ce soit sur le campus de la Salty Academy parce que vous le savez, il y a le prochain campus qui arrive très prochainement. Je sais, ça fait 5 mois que je le dis, mais voilà. Et du coup, c'est tout. Ok ? Bonne soirée, tout le monde. Ciao, ciao. Bisous. À demain. Grosse soirée Ready or Not en espérant que les gens soient à l'heure. Ce sera cool. Allez, bisous. Bye.